Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Amène ta bière podcast. Aujourd'hui, mon invité d'honneur, c'est la belle Catherine Morin, créatrice de contenu, photographe. C'est non moins gênant. Arrête! Je t'ai pas gênée il y a 5 secondes, mais là, ça devient aussi. C'est ça, ça fait une heure que t'es ici mais qu'on oui. parle. Mais genre. C'est ça, écoute. Moi, j'étais pas capable de brancher mes affaires. Genre, moi, je suis pas capable de faire deux affaires en même temps, j'étais là. Puis moi, je suis pas capable d'arrêter de parler. C'est parfait, c'est pas pour rien, je t'ai invité parce que nos vocaux sur Instagram oui. étaient interminables. Alors, je me suis dit que, regarde, on allait avoir des sujets en masse à se partager. Je suis pas inquiète. C'est ça. Fait que là, moi, j'aime toujours qu'on commence en présentant la bière. Puis là, tu t'as amené une bière sans alcool. Une bière sans alcool. Est-ce que tu veux nous présenter ça? Écoute, est-ce que tu connais Ralbock, toi qui aimes la bière? Je connais la micro. Je me demande si j'ai déjà bu une bière de cette micro-là. Ça me dit quelque chose. Moi, pourquoi j'ai un amour spécial pour eux, c'est que je viens du coin de Saint-Jean-Port-Joli. Ah ouais. Puis c'est une micro-brasserie que j'ai vue naître, là, parce que ça fait. Ils sont quand même pas si vieux là, ouais. dans le domaine. Puis, bref, ils font plein de bonnes bières. D'ailleurs, ils en font beaucoup qui sont vraiment sporadiques. Okay. Ils font des associations avec des gens, puis ils le font une fois, puis après ça, c'est fini. Fait que si t'aimes cette bière-là, c'est comme cours t'en chercher une caisse. Ah, oh, ouais. Parce qu'après ça, c'est fini. Puis là, ils se sont associés avec Sainte-Justine. Ah, oh, c'est bien fait fun. Que, c'est ça. Leur bière s'appelle Boire Grand. C'est une bière sans alcool, cette fois, mais ils en font plein d'autres bonnes. Je sais pas si tu connais Des Barriers des Hommes. Il y en a une qui ont. Puis ils ont tout le temps des noms un peu spéciaux. Ouais, c'est ça. C'est un peu spécial. Puis, bref. Fait que c'est ça. Ah, oh, c'est le fun. Mais là, tu bois-tu bien de la bière, toi, dans la vie? Pas moi, pantoute, toi? Ben, un peu, mais pas. Je suis pas une grande buveuse de manière générale. Ouais. Parce que je fais des migraines beaucoup. C'est vrai. Puis l'alcool, j'ai de la misère parce que j'aimerais ça prendre un petit verre, tu sais, comme plus couramment, mais c'est difficile de gérer après ça une migraine de 3 jours. Là. Je comprends. Fait que je calcule tout le temps les risques, les bénéfices, tu sais. Des fois, je me laisse aller, là. Mais puis des fois, ça passe free, là. Je sais pas pourquoi. C'est comme quand même nouveau des dernières années. Avant, je pouvais boire comme tout le temps, prendre un petit verre le soir. Arrête! C'est ça qui me manque, là. Tu sais, tu cuisines, tu prends un petit verre. Oui, c'est tellement ma plus grande passion. Mais tu sais, moi, c'est ma plus grande passion, moi, boire un petit verre. Oui, mais oui, fun. C'est vrai, tu sais. Puis je trouve que. Mais tu sais, à cette heure, il y a tellement de produits. Ouais. Tu sais, encore aujourd'hui, tu sais, je prends un verre de temps en temps, mais comme avec tout ce qui sort, les gins sans alcool, ouais, c'est des. Tu sais, moi, j'avais connu Seed Lip, mais tu sais, récemment, il y a Monsieur Cocktail qui a lancé les forts sans alcool qui sont super bons. Fait que, tu sais, je trouve que c'est une belle alternative. Sinon, je suis amateur de kombucha, toutes ces affaires-là. Ah ouais, hein? Ça, faut aimer, là. Ouais, mais, moi, j'adore. Oui, moi, la plupart des gens me disent que quand ils ont goûté la première fois, ils n'ont pas tant trippé. Ouais, faut commencer par du rise. Oui, c'est ça. Ouais. Mais à cette heure-là, tu sais, il y en a plein. OK, toi, tu vas dans les plus naturels, genre. Ben oui, là, des fêtes maison, même qu'on a, avec mon chum, on a fait un. La culture de la maman. Oui, on l'a fait à la. Oui, la mère comme le chum. Oui. Mais oui, fait que c'est ça. Fait que voilà, petite bière. C'est génial. Puis là, tu voulais qu'on se partage ça. Il faut dire que c'est une. Une Weiss, Berliner Weiss. Ça, je pense que c'est un dérivé. Je pense que t'es là, parce que tu vois, là, c'est moi, ça s'arrête là, mes connaissances. Attends, peux-tu la regarder? Ben oui, vas-y. Moi, j'aime ça, là. Ouais, vas-y donc. C'est impoli. Mais non. Je parle pas dans le micro. Crème d'apparence, elle a l'air... elle ressemble à une bière sûre. Ouais, j'avoue. Es-tu sûre? Lime, ananas lime, fait que tropical quand même. Ils disent-tu c'est quoi? Toi qui tripes sur la bière, je sais pas si tu vas aimer. Moi j'adore, là. Ça serait, on dirait un petit kombucha. OK. Ouais, mais c'est ça, je trouve. Tu sais, mettons, il y a beaucoup des bières sans alcool que je me dis... Tu sais, je veux pas insulter personne, mais je me dis tant qu'à ça, ouais. Non, j'avoue. C'est de bon. J'avoue parce que ben, moi, je la trouve super bonne. C'est vrai qu'on le goûte, l'ananas. Mais c'est ça, on dirait... C'est sûr que pour toi... parce que c'est quoi les... Il y a des bières qui ont sorti sans alcool que même des gens qui aiment beaucoup la bière avec alcool l'aiment. Ah, OK. Mais c'est sûr, faut pas tout s'attendre à boire comme une bière. C'est que je trouve qu'on est vraiment dans un autre produit. T'sais. Mais... À la limite, j'appellerais pas ça de la bière. Genre. Les... Ben, il y a des bières sans alcool qui sont bien faites, mais attends, je vais y goûter. Là. Elle est un peu, je sais pas si on peut dire ça, elle est un peu sucrée. Mais il y a un petit fond de goût de bière, mais t'sais, c'est sûr, faut pas t'attendre à... Oui, ça ressemble beaucoup à ce que, justement, Geoffrey Charles avait amené
il avait amené des bières sans alcool, puis c'était comme ça, là, tu n'y verras que du feu. Mais tu sais, il faut dire que moi, je suis une grande consommatrice de bières. Ouais, c'est ça. Fait qu'à chaque fois, tu sais, mettons, il m'a fait goûter, j'étais comme, non, c'est pas ça du tout. Non, mais quand même, c'est pas mauvais, mais c'est pas pour mais toi, c'est ça, pas une bière. Non, c'est ça. Comme tu dis, j'aurais envie de te dire, c'est très bon. Là. Genre, j'aime le produit. Ouais. C'est doux, c'est vraiment très, très doux, là, tu sais, c'est... Oui, c'est doux. Moi, pour vrai, je l'aime. Puis c'était un guess que je prenais parce que j'ai goûté aux bières avec alcool de Ralbock. Puis je t'avoue, elle, je l'avais même pas goûté. Puis agréablement surprise, là. Ouais. Tu sais, mettons, je vais à quelque part puis je me dis, OK, ce soir, je prends pas d'alcool. Je serais pas déçue, là. Mais c'est sûr, toi qui tripes bière, ben là, on est ailleurs, peut-être. Non, c'est ça, on est ailleurs, mais j'aime vraiment le produit. Puis il y a quand même des saveurs. Enfin, je trouve qu'il y a comme une saveur un peu... Je sais pas si c'est moi en ce moment là que mes papilles ils fonctionnent plus correctement, mais je trouve que ça goûte un peu comme la citrouille. Ah ouais? À la fin, mon genre, Dieu, tu viens vraiment de... le goût de fin, le genre. Mettons là, prends ta gorgée, goûte-y, puis attends. Mais peut-être que tu le constateras pas. Ben moi, tu vois, je goûte clairement l'ananas là, mais la citrouille. Peut-être pour moi, c'était en octobre, ma belle. Ah non, je le goûte encore full. Ah ouais. Ouais. Ah ben, en tout cas, ceux qui, c'est qui la voient... Pour vrai, la citrouille... Tu sais, je mange des potages à la courge, là, mais pour te dire que je sais que... Ah oui, ça goûte la citrouille, j'aurais mais, de la misère à dire. Mettons, tu te rappelles-tu d'avoir mangé une tarte à citrouille, genre, à un moment donné? J'ai jamais mangé ça. Tu sais, dans le fond, ça goûte la muscade, le clou de girofle, ouais, tout ça. Okay, là, la citrouille, oui. Tu sais, c'est le, ouais, je comprends. La saveur de... Je sais, c'est peut-être moi, là, en ce moment, qui... moi, des fois, je vais loin, je goûte des affaires qui... Ben, j'avoue que... Tu sais, quand tu la laisses aller un peu partout, là... Ouais, c'est ça. Ouais, je peux. Je comprends ce que tu veux dire. Par respect. Non, ouais, non, je te jure okay. que non, c'est pas mon genre, ça. Ben ok, oui, tu me le dirais. Je suis respectueuse, là, mais je veux dire. Tu me le dirais honnêtement. Oui, je serais pas semblant, là. Okay. Non. Merci. En tout cas, les gens qui la voient, là, au magasin, vous la jetterez, puis vous ouais. direz dans les commentaires. Non, mais clairement, puis vous serez pas déçus, Ralbock, là. Je sais qu'ils sont bien populaires dans le coin de Montréal. C'est quand même fou, là, parce que c'est à 3 heures de route d'ici. Ouais, c'est ben, ça. De Drummond, un peu moins, là, mais. Puis nous autres, à chaque fois qu'on descend, on va dans leur petite boutique, puis il y a des éditions limitées. Puis là, tu prends pas le risque d'en prendre juste une puis de la trouver bonne ouais. parce qu'il y en a qui refont pas, mais il y en a qui refont. Là. Puis leur nom de bière, ben, tu sais, là, les micros, c'est un peu tout ça aussi. Ouais. Là. C'est autant des noms un petit peu ouais, flyés. Puis tu sais, je trouve ça, en tout cas, je trouve ça cool de savoir que ça vient de chez nous. Ouais. Mais moi, j'ai un peu une relation d'amour-haine avec les éditions limitées, justement, parce que je ouais. me dis... Caroline, tu sais, quand il y en a une qu'on aime vraiment, tu sais, même si on la jette en 20 exemplaires, ouais. on va passer au bout des 20, tu sais, à un moment ouais. donné, puis on n'aura plus. Tu sais, il y en a une que j'avais bu, là, que je vais toujours me rappeler. Mais tu sais, des fois, je me dis, c'est peut-être justement le fait qu'elle n'est plus disponible. Ouais. Je me dis, oh mon Dieu, j'aurais aimé ça en avoir plus, mais c'était le trou du diable. Il avait fait. C'est à Shawinigan. OK, oui. Ouais. Le trou du diable, dans le fond. Le trou du diable. Peut-être que tu as déjà vu leur bière en épicerie. Là, ils ont comme été rachetés par Molson. Fait que là, les bières sont super accessibles partout. Okay. Mais il y a le pub à Shawinigan qui, lui, est encore indépendant genre de okay. tout le reste. Fait qu'ils font autres... des fois des petites versions. C'est des ça. Petites... Puis il a fait une bière, c'était une Weiss Grip, je pense, qui est comme, j'ai envie de dire allemand, mais je suis pas certaine. Mais en tout cas, c'est genre, en tout cas, un petit goût de banane et noix. C'était vraiment ah, particulier ouais. comme produit, mais c'était tellement bon, genre... J'avais vraiment trippé. Ah, c'est décevant quand même quand ça arrive. Oui, c'est ça. Surtout si tu t'en souviens à ce point-là, tu sais. Oui, puis ils avaient fait ça comme à l'automne. Puis à chaque automne, je leur réécris. Je suis comme, est-ce que vous allez la ravoir parce qu'on ah, va ouais. se déplacer, tu sais, pour venir la goûter, genre. La pis... goûter slash en acheter quelques-unes, tu sais. Oui, c'est ça, exact. Puis, tu sais, à chaque fois, ils sont comme, non, on la refera pas. Pourquoi? Parce qu'elle a été comme peut-être moins populaire. Tu sais, toi, ben, tu l'as peut-être, mis. Mais c'est que c'est des bières qui moussent beaucoup aussi, qui m'expliquaient. Fait que c'est vraiment genre un chiard, là, au niveau du fût, là. Comme, okay. ils perdent full de mousse, puis comme c'est une okay. gestion, là, ce bien-là. C'est là, tellement fait. Intéressant quand même, tout le ouais. procédé, le pourquoi ils font comme peut-être plus un type de bière. Ouais, moi j'adore ça. Là. Puis le pire, ouais. c'est que je suis jamais allée visiter des microbrasseries. Genre. Ben tu sais, j'y vais prendre un ouais. verre, mais voir les, t'sais, le derrière, ouais. là, vraiment le processus de brassage, j'aimerais tellement ça. Ben, ça doit être vraiment intéressant, ouais, ça c'est vraiment. Sûr. Vraiment. Fait que c'est super un beau produit à découvrir. Qui, c'est ça, on... Je... Ça ressemble quasiment à une bière sûre, mais non, j'avoue, mais
sais, le goût. Puis moi, je suis pas tant fan de bière sûre, personnellement. Mon chum aime bien ça. Moi non plus. Mais je trouve que ça laisse un, on dirait, tu sais, un fond d'acidité dans ta bouche, ouais. là, de, tu sais, de pas le fun, là. Ouais, de ouais. genre, je bois un jus d'orange le matin, puis j'ai un haleine poche. Ouais, ouais, c'est ça, exact. Ben, c'est comme trop. Ouais, moi non plus, bien sûr, je suis moins fan. Mon chum aime beaucoup ça, mais tu sais, lui aime les trucs surettes. Tu sais, moi, j'aime pas les bonbons. Fait que, tu sais, qu'est-ce ouais. qui est bon dans la vie qui est surette à part des bonbons? Pas tant grand-chose. Mais tu sais, les bières, quand c'est léger, j'aime ça, mais tu savais-tu, fun fact, j'aime ça rajouter mes petits fun facts de bière. Les bières sûres, c'est un... Parce que, mettons, il y a deux grandes familles de bières, les L et les Lager, puis là, il y a plein de sortes, comme justement celle-là, la Berliner, si je me trompe pas. Mais Weiss, me semble que c'est les L, si je me trompe pas, mais tu sais, il y en a là, à finir. Puis, dans le fond, il y a une sous-catégorie, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais dans le fond, les bières sûres sont là-dedans. Puis les premières bières sûres qui ont été créées, c'était des erreurs, tu sais, parce que dans le fond, c'était des bières qui avaient comme tourné puis suri, fait que tu sais, ça devenait sûr. Puis comme, c'est pour ça que, tu sais, les bières sûres, actuellement, ça revient à mode, mais dans le fond, c'est comme un produit dérivé d'une bière raté, que... Ouais, c'est là. Ça, exact. C'est spécial. Ouais, c'est hot. Mm-hmm. Fait que, sur ça... Là, toi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment? Tu fais la création de contenu pas mal. Oui, je fais beaucoup de création de contenu. Je pousse beaucoup la photographie. Oui, c'est ça. C'est ça que je te disais. Là. Si je me sens vraiment sur mon X en photo. On dirait que je me serais jamais permis de m'enligner vers ça, dans le sens que, tu sais, quand tu fais de ta vie, en fait, tu fais de ta passion ce que tu fais dans exact, la vie, ouais. on dirait que de s'autoriser à faire ça, c'est comme... Ça a été long, mon processus, d'accepter ça. Puis... Mais parles-tu parce que, bon, évidemment, ça vient avec des sacrifices, des choses comme ça. Parce que on est vraiment une génération, nous, que on est beaucoup dans, tu sais, le bonheur avant l'argent. Tu sais, avant, c'était comme dur labeur, on ramenait l'argent, tu sais, sa table, tout ça. Puis là, nous, on est beaucoup dans, tu sais, justement, être heureux, vivre de nos passions, tout ça. C'est vraiment générationnel. Fait que c'est quoi qui fait que... Que tu t'es dit justement, genre, est-ce que j'ai droit à ça de m'offrir ce luxe-là de peut-être? Comme toi, tu sais, c'est drôle que tu me disais ça tantôt. Ouais. Tu dis, mon domaine d'études ne me sert pas du tout, du moins pas en ce moment. Mm-hmm. Mais tu sais, encore une fois, toi, c'est quand même, ça reste une passion que tu as toujours, tu sais. Mais moi, c'est zéro, pas c'est ça. C'est quoi, t'sais. Hein? Moi, j'ai étudié pour. Je suis rentrée à l'université en psycho. OK. Puis il me manquait un cours de... Il me manquait un cours de quoi, en tout cas? Il fallait que je fasse un cours de maths, je pense, qui me manquait. OK. Puis finalement, en faisant les cours de psycho, parce que quand même, j'allais à ces cours-là en attendant, là, il me laissait une session pour compléter mon cours de maths. OK. Puis bref, tout ça pour dire que je me suis dit, j'aime-tu vraiment ça? T'sais, j'adore le côté psychologique. Ouais. J'adore... T'sais, j'ai toujours été quelqu'un qui aime... qui s'intéresse à plein de choses, à comment on pense, à pousser un petit peu plus loin, tu sais. Mais on dirait que ça, je me suis dit, OK, non, mais c'est peut-être pas vraiment fait pour moi. Puis tu sais, je trouve tellement que dès qu'on est jeune, il faut savoir ce qu'on veut faire. Sais, mais comme fou, on est tellement mal, tu sais, enligné, là, tu sais, les orienteurs, j'en ai-tu vu un? Je pense que oui, mais tu sais... C'est comme, qu'est-ce que t'aimes? Ah, ben, crème, fais ça. T'sais, ouvre toutes tes portes. Va au cégep, là, fais sciences nat. Ouais. Je pense que ça s'appelle même plus de même. C'est sciences humaines. Sciences nat, c'est genre. C'est ça. C'est difficile, moi, c'était sciences humaines, puis sciences pures, qu'on appelait ça dans le temps. Là. Mon Dieu, je parle comme ça. Mais de quel âge? Tu es discrète, tu as demandé ton âge? J'ai 31 ans. OK, ouais. Je suis pas vieille, là. Je suis pas vieille, mais tu sais. On devait pas mal avoir les mains. Tu sais, il commence à avoir des affaires qui change. Ouais. Puis que tu dis, OK, dans mon temps, tu sais, t'as quel âge? Moi, j'ai 26. Tu commences à sûrement dire, OK, dans mon temps, c'était je ça. Je sais, c'est terrible. À réécouter des petits bonhommes que t'écoutais, puis tu te dis, hey, aujourd'hui, je suis tellement une grande nostalgique. Ben, moi aussi, là, quand je vois des trucs de même passé. Mais bref, tout ça pour dire, c'est ça, j'ai fait psycho. Puis après ça, je me suis dit, ah non, c'est pas ça que je veux. Je sais pas trop qu'est-ce que je veux. Fait que là, je suis allée en com. Complètement, okay. pas attends, même c'est comment ça, là? Tu sais, mettons, tu t'es... Là, ben, premièrement, attends, j'ai un million de questions pour toi. Vas-y. c'est à dis, partir de... ça marchera pas, là. Moi, j'ai tout le temps, genre, plein d'affaires qui me trottent. Au moment que tu t'es dit, crème, c'est-tu pour moi, pas pour moi, tu t'es posé des questions, est-ce que tu étais pas mal à la fin du processus? T'avais-tu commencé? OK, j'étais OK, t'étais dedans. J'étais encore en première session, d'ailleurs, tu sais, j'aurais dû pousser plus. Tu sais, si t'as à refaire, là, j'aurais dû pousser plus parce que, ben tu sais, les premiers cours à l'université, c'est toujours très général. Ouais, c'est puis pourtant, c'était vraiment très...
tu sais, on parlait vraiment psychologie et tout, ouais. là, puis c'était quand même intéressant. Mais ce qui était stressant, ce qui m'a vraiment décidée, en fait, c'est que ouais. pour faire psycho, faut que tu... En tout cas, là, j'espère que je dis pas n'importe quoi, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que tu aies quand même le doctorat, parce que sinon, avec le bac, tu peux pas être psychologue, mais tu peux faire d'autres choses. Ça okay. peut te mener en orthophonie, ça peut te mener... Tu sais, il y a plein d'autres ouais, branches. Ouais, ouais. Puis, il y avait genre, mettons, sur les 200 personnes qu'on était à la base en psycho, il y en avait pas beaucoup qui étaient pris au doctorat. Fait que là, je me suis dit, OK, okay. tu sais, j'ai-tu la capacité, tu sais, c'est plate, parce que j'ai douté de moi, mais j'ai pas poussé plus, ouais. tu sais, parce que peut-être j'aurais réussi, peut-être pas. Mais, tu sais, somme toute, c'est vraiment ça aussi qui a été le déclencheur. Puis je me suis dit, OK, c'est-tu vraiment ça que je veux faire, tu sais? OK. Fait que c'est pas parce que le domaine m'intéresse pas, là. Mais, ouais, 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 c'est ça. Tu sais, je me serais vue, là, quand j'étais jeune, je me serais vue, genre, tu sais, t'sais, on écoute des films, là. Je vois vraiment intense, là, mais mettons profileur, des trucs, tu sais, comme c'est en quoi, criminalité. C'est quoi, ce profil? OK, oui, oui, oui. Criminologue, tu sais, il n'y avait pas de cours avant, là. C'est nouveau qu'il y en a un à l'université. Mais, puis je sais pas pourquoi, en fait, je me suis toujours dit que j'avais des passions, mais que comme, tu sais, la génération de nos parents qui dit, mais il faut que tu ailles à l'université, tu sais. Ouais. Fait que j'ai qu'est-ce jamais que eu l'option faire, de faire. C'est qui... ça, qu'est-ce que je peux faire qui me rejoint, mais qui est à l'université? Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Finalement, je me suis dit, bon, pour plein de raisons, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que je prends la chance de faire comme, tu sais, comme un 2 ans puis de peut-être pas passer à l'autre étape? Fait que j'ai changé complètement de branche. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris un moment off aussi entre tout ça. OK. T'avais quel âge quand tu as commencé à étudier en psycho? Je devais avoir peut-être 20 ans. OK, mon Dieu, t'étais jeune, là. Oui, j'étais jeune, mais tu sais, j'étais quand même... j'ai eu un petit bout comme du divorce de mes parents qui était comme plus rough. C'est vrai. Fait qu'au cégep, j'ai pris une année de plus. Puis bref, quand je suis rentrée à l'université, c'est pour ça, tu sais, normalement, tu rentres à l'université à quel âge? 18, 19? Ouais, si mettons tu vas faire ton cégep en sortant... Oui, ça fait ouais, du sens. 19, 20, oui. Ouais, fait que c'est ça. Fait que j'ai comme perdu une année là qui m'a quand même permis, tu sais, j'ai travaillé, là, je faisais... Puis je suis déménagée avec mon chum de l'époque. Puis là, c'est ça, j'étais rentrée en psycho, j'ai pris une année off. J'ai travaillé temps plein. Ça, si tu veux... Si ton enfant veut prendre une pause un jour d'études puis qu'il travaille temps plein, il va vouloir y retourner. Ah, c'est ça, ça a fait sûr, que j'ai voulu retourner à l'école. Mais tu sais... C'est comme si, quand t'es jeune, tu sais, on est comme jeté dans un enclos, puis go, trouve c'est quoi ta vie. Puis 20 ans, je veux dire, c'est jeune, là, t'es encore un bébé pour savoir jeune. Ce que tu veux faire de ta vie. C'est jeune, puis pas, là, tu sais, quand même, c'est important de savoir, bon, un peu où est-ce que tu t'en vas, tu sais. Ouais, moi, pour vrai, à 20 ans, genre, j'étais encore dans toute la naïveté du monde de me dire, je vais aller étudier à l'université en théâtre, tu sais. Ouais. Mais maintenant, à l'âge que j'ai, jamais, tu sais, je ferais pas ça, là. Il y avait aucun débouché possible, là, à faire ça. Ouais, mais tu ferais quoi? Ben, tu sais, c'est que dans le fond, ben là, je veux pas qu'on parle de moi, mais moi, mettons, le bac que j'ai fait en théâtre, c'était comme de la dramaturgie, de la mise en scène, de la technique. Genre, mais tu sais, moi, je voulais être sur scène, là. Je voulais pas comme être derrière. Fait que, tu sais, j'ai tout fait ça pour rien dans mais le sens où... Quand je te dis qu'on est mal coaché, c'est ça, tu sais. Ouais, ouais, dans le fond, ça. Sûrement que les gens quand même autour de toi, puis tu sais, je parle pas vraiment nécessairement de nos parents, tu sais, je veux dire, quand on va à l'université, eux autres, ils connaissent pas tout aussi ce qu'on pourrait faire, puis qu'est-ce qui serait bon pour nous, puis tu sais, bon, ils nous poussent, ils nous appuient, tu sais, mais je trouve que tu sais, quand on arrive dans un cours, tu sais, les professeurs, tout ça, ils apprennent à nous connaître, ils savent là, que toi, tu veux pas être derrière, puis même si ça t'intéresse vraiment, ben peut-être qu'ils auraient pu te dire, tu sais, t'enligner comme avant, puis finalement, tu finisses, puis tu te dises, OK, ben qu'est-ce que je fais avec ça? Oui, c'est ça, exact. Mais bon, c'est sûr que ça t'a appris plein de choses, puis veux pas... en allant à l'école, on grandit. Là, je me serais pas vue à 20 ans aller directement faire une technique puis tomber sur le marché du travail à genre 25 ans. T'sais. C'est fou. Il y en a qui le font, mais comme... Puis j'ai de l'admiration, là. Je veux dire, hey, commencer à faire ta job de vie aussi jeune, c'est puis faire ça toute ta vie, là, pour vrai, chapeau, je trouve ça vraiment... vraiment haute, là, parce que... Moi, je serais pas capable. C'est ça, la fin, tu sais, je me dis... C'est pour ça, tantôt, tu sais, quand on jasait, je te disais, tu sais, ah oh non, on parlait de maison, mais c'est un peu la même affaire, tu sais, de... Est-ce que nos standards sont trop élevés, tu sais, de se dire, hey, moi, c'est impossible de rester à la même job toute ma vie. Tu sais, moi, je me dis, je suis ben trop, genre, j'aime pas la routine, tout ça, mais tu sais, c'est beau pas aimer la routine, mais à un moment donné, il faut que tu sois steady quelque part dans ta vie, genre, tu sais. Ouais, mais ça, c'est où c'est écrit où, faut être steady quelque part, c'est ça.
Fait que, tu sais, on pourrait dire, ben nous, tu vends tout ce que t'as, puis tu pars en caravane avec ton chum puis ton gars, puis vous allez où le vent vous mène. Ouais, ouais. C'est sûr qu'à un certain stade, bon, faut que tu travailles un petit peu, mais tu ferais des affaires que... T'sais, qui te passionne, tu pourrais faire même continuer de faire de la création de contenu. Mettons, ton chum pourrait continuer à faire de la musique, tu sais, ça serait pas fou, mais c'est comme juste, on a besoin comme d'une certaine stabilité, là. Ouais, c'est je ça, sais exact. Que mon chum, demain matin, il le ferait, là. Mais moi j'ai, moi, j'ai besoin vraiment de stabilité. Il est comme plus vagabond, genre. Ouais, il est vraiment... ben, tu sais, je pense qu'il vivrait bien de partir à l'étranger un an, deux ans, puis sans savoir comme la suite... C'est vrai, j'aimerais. Ouais. Moi, j'admire ça, par exemple. T'sais, des fois, je dis à Oli, je suis comme, on pourrait déménager au Nouveau-Brunswick. Ou, aux îles de la Madeleine, tu sais, il n'y a rien, là. Mais pas, il n'y a rien, mais tu sais, vraiment, on déconnecte. Ouais. On retrouve, tu sais, nos valeurs, nos racines. Ben, pas nos racines, mais tu sais, de retrouver, tu sais, un mode de vie plus naturel que, tu sais, là, d'être tout le temps let's go, genre, anxiété, trop d'affaires, genre, affaires, puis. Non, puis je pense que la pandémie nous a amené ça aussi, de se dire, OK, attends un peu, qu'est-ce que je... Tu sais, de remettre en perspective, là, qu'est-ce que je veux vraiment, tu sais, qu'est-ce l'appel que... L'appel de la nature. Et... Oui, bien, l'appel de dire, je veux plus de voisins, puis je veux être Ça, c'est vraiment prouvé, hein, depuis la pandémie. Ben, les gens veulent de l'intimité, une forêt, un... même nous, j'en ai comme, on veut un étendo, une forêt ou bien un champ. Tu veux avoir comme tout près, pas trop... Mais tu veux tes voisins pas trop proches, mais pas trop loin non, quand même c'est pour te sentir exact. En sécurité. Oui, parce que moi, je suis une grande peureuse de soir. Ah, moi aussi. C'est vrai? Oui, puis tu sais, je suis souvent toute seule parce que mon chum travaille beaucoup. Puis en plus, ben là, tu sais, un soir par semaine, il part jouer au hockey. Fait que souvent, c'est à genre 40-45 minutes. Il dort chez un ami. Oh, fait que là, mais tu sais, c'est de s'habituer. Là. Vous, je sais pas, ça fait combien de temps que vous restez ici. Là. Moi, fait un peu plus qu'un an. Là, j'ai posé des rideaux. Là, en plus, mais c'est ça. J'ai des pas fois, tant on de voisins. Des... Je me dis, s'il y a quelqu'un dehors, moi, je le vois pas. Là. Lui, il voit. Mais faut pas penser à ça. Mais bref, fait que là, on saute du coq à l'âne. Mais finalement, j'ai fait... Ça, c'est vraiment je retournais à l'université après avoir travaillé. Je me suis dit, OK, oui, je veux étudier. Mais dans le fond, la raison pourquoi je suis retournée à l'université... C'était même pas une bonne raison. C'est juste parce que je me suis dit, il faut que j'aille à l'université. Tu sais, j'ai grandi en me disant, il faut que j'aille à l'université. Ouais. C'est ça, il faut que tu ailles. Oui, c'est fait ça. Fait que là, j'ai fait comme. Puis finalement, j'aurais dû aller en marketing parce que comme, c'était pas en tout ce que je pensais. Ah, c'était beaucoup. Ben, on dirait ce qui m'a marqué, c'était beaucoup le volet journalisme. Puis, tu sais, c'est pas du tout quelque chose qui me tentait. Mais, tu sais, il y avait comme plusieurs volets, là, évidemment. Mais, tu sais... Puis toi, si tu t'intéressais de la com, c'est quoi, mettons, t'entrevoyais dans le futur? Je sais pas, moi, je me voyais comme créer de la pub, tu sais, à la limite, tu sais, faire, c'est ça, être sur des tournages, tout ça, puis c'est pas pantoute tout ça, dans je comprends. Oui, il fallait que t'aies à l'UQAM, mettons. En même temps, comme tu peux tout faire ce que tu veux avec ça après, là, tu sais, ça te mène dans plein de domaines. Mais, fait que là, j'ai arrêté ça. Écoute, je finis rien à ce que je commence à date. C'est ce qu'on c'est mais ce moi, qu'on c'est la même affaire que toi. Mais, puis là, j'ai toujours adoré cuisiner. OK. Fait que là, on est comme un psycho, comme. Fait que là... École d'hôtellerie. À un moment donné, je me suis... Ben là, non, là, regarde, là, je pouvais... Tu sais, à un moment donné, ben beau que je suis jeune, là, j'étais comme de moins en moins jeune. Puis là, je me dis, OK. C'est ça qui... Fait que je suis allée faire une technique en diététique. Mais c'est pas pour tout cuisiner, là, tu sais. Mais ce que j'ai terminé, puis qui ne me sert à rien aujourd'hui. Mais honnêtement, le fait d'avoir rentré à quelque part puis d'avoir terminé, ça m'a fait du bien. C'est un accomplissement. Ouais, moi, je me suis dit, okay, j'ai fini ça, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis finalement, je m'en sers pas du tout, là. C'est pas quelque chose que les gens savent nécessairement, mais c'est ça. J'ai fait une technique en diététique. Ça a été aussi un deuil, là, que j'ai fait parce que, tu sais, quand tu dis que tu vas toujours aller à l'université, c'est ben, pas que tu vas toujours y aller. Tu t'es toujours dit que tu allais y aller. Ouais. Puis que finalement, s'il va pas, il y a comme eu un petit quelque chose. Puis au final, on dirait que je l'ai digéré. Puis tu sais, je me dis, ben regarde, peu importe ce que j'aurais fait avec ce que je fais en ce moment, ça aurait eu pas de lien de toute façon. Mm-hmm. Ben peut-être que je serais ailleurs. Mais tu sais, la vie m'a amené là, puis c'est bien correct, là, tu sais. Ouais. Fait que là, ben c'est ça. À cette heure, ben j'ai commencé à faire la création de contenu. Puis tu sais, là ça, maintenant... Ça a commencé quand? C'est... La création de contenu... Ça a commencé tellement graduellement. Là. Ça fait quelques années. J'aimais ça prendre des photos, puis publier. Puis ça a été vraiment... Il n'y a pas du jour au lendemain que je me suis dit, OK, c'est ce que je fais. Ouais, ouais, mais avant que ça devienne payant, mais on a tous eu les premiers...
c'est nos premières offres de « Hey, on t'enverrait ça, puis là, tu capotes, là. » Puis c'est drôle parce que, tu sais, tantôt, on parlait de Cookit, ouais. mais je suis certaine qu'eux s'en souviennent plus, mais... Mon premier appartement avec Sam, fait que ça fait 9 ans qu'on est ensemble. OK. Fait que ça doit faire genre 8 ans. Eux autres, ils venaient de lancer le concept puis ils m'avaient envoyé une boîte repas. Ouais, c'est fou, tu capotais, là. Genre. Ben oui, je capotais. Mais hein, que je capotais. Puis c'était tellement bon. On dirait que j'étais comme... Mais tu sais, ça aurait été n'importe quoi. J'étais comme... J'étais juste... Tu sais, les maillots triangle que ouais, tout le monde me parle de ça. Mais moi, j'ai commencé plus tard. OK. Hey, moi, là, ça fait genre 2 ans que je fais de la création de contenu. Ah, ouais? Parce que moi, je suis sur YouTube, mettons, depuis 5 ans. Ouais. Fait que tu sais, moi, c'était vraiment ma chaîne YouTube, les vidéos. Mettons, travaillant en tant que créatrice de contenu. J'en faisais des petits contrats de création ouais. de contenu. Mais tu sais, je pouvais jamais me donner ce titre-là. Là, j'en okay. faisais pas assez, mettons. Mais vraiment, de façon sérieuse, ça fait 2 ans environ. Ah, ouais. Ouais. Mais tu sais, je te connais pas depuis si longtemps. Non, c'est ça. Mais je t'ai connue par YouTube avant de te connaître par Instagram à cause de Kim. Parce qu'elle avait parlé de moi. Qu'elle écoutait tes vlogs. Ben, c'est même pas des vlogs. Qu'elle écoutait tes vidéos YouTube. C'est pas des vlogs que tu fais? Oui, je fais des vlogs. Ben, avant, ben, je faisais. Ce que j'écoute, c'est pas tant tes vlogs, en tout cas. C'est quoi, t'as écouté, mettons? Ben j'ai écouté ton récit d'accouchement. C'est moi, c'est ouais, là que j'ai commencé okay. à te suivre. C'est ton ouais. gars, il a quel âge? Il a quel âge? Il va avoir 16 mois, là. Tu sais, quand... mais tu sais, j'avais... Je sais pas, puis pourtant, tu sais, j'ai pas d'enfant. Mais je trouvais vraiment que t'étais intéressante. Ah, t'es même, bien fine. J'ai des amis qui tombaient enceintes, puis je disais, ah, va écouter, ça va te préparer, tu sais. Ouais, ouais. Ah, c'est bien fine. Puis c'est ça, c'est à cause de Kim que... Puis là, je me suis dit, ah, elle a l'air trop fine. Fait que là, je m'étais abonnée. Mais tu sais, je vais vraiment pas sur YouTube, que très rarement. J'écoute juste du true crime, là. Victoria! Ouais, exact, quand tu m'as dit ça, ouais. tu sais. Mais j'écoute Kim, j'écoute toi, mettons. Mais tu sais, je suis pas tant une grande Moi aussi, j'en consomme pas assez, puis je trouve ouais. ça... Tu sais, je me dis, faudrait, parce que je trouve tellement qu'il y a un déclin en ce moment, là. C'est vraiment triste, tu sais. Tout le monde arrête sa chaîne YouTube, là. Ouais, c'est quelque chose. En ce moment, ce qu'on voit, c'est les vlogs, là. C'est vraiment ce qui reste un peu sur la route. Mais en ce moment, il y a comme presque plus de vues là, sur les vidéos. Là. C'est vraiment démotivant. Quand... Tu sais, on fait pas ça pour les vues, mais ça reste qu'à un moment donné. Ben, s'il y a personne qui l'écoute, ça te tente pas de le faire. Là. Mais c'est ça, puis tu sais, je veux dire, c'est des heures là, de travail, là, vraiment un vlog ou une vidéo là, tout court. Fait que tu sais, on se dit. Est-ce que je mets mon énergie ailleurs? T'sais, je prends-tu 8 heures de ma journée pour faire ça ou bien je prends. C'est 8 heures de ma journée. Je suis surprise, je m'en suis pas rendu compte nécessairement, mais c'est pas de temps. Quand je clique sur un vidéo, je regarde pas nécessairement le nombre de vues d'emblée. Mais est-ce que tu le sens-tu par rapport à tes podcasts ou c'est les gens se dirigent plus vers ça? Hein? Bien, autant que mes podcasts, j'étais comme dans ma tête, je me disais tout le monde les écoute en vidéo sur YouTube. Fait que j'étais comme, ah, tu sais. C'est correct, là, tu sais, le nombre de vues, moi, ça me dérange pas. Mais après ça, j'étais allée voir mes statistiques audio, puis le monde l'écoute vraiment en audio. Fait que là, je me dis, ah. Peut-être c'est positif. Ça, dans le fond. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, si on s'en va ailleurs, les podcasts sont vraiment populaires à l'heure actuelle. On en voit beaucoup, puis c'est très aimé des gens. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment saisi l'opportunité, puis tu sais, je trouve ça tellement le fun. C'est tellement des belles rencontres tout le temps. Mais t'as bien fait d'aller vers ça, tu sais, dans le sens si c'est, si c'est populaire. Mais tu vois, personnellement, moi, j'aime mieux l'écouter en vidéo. Mais l'avantage du podcast, tu sais, faudrait que je m'y mette plus. Puis je suis certaine qu'il y a des chaînes de true crime en podcast qui doivent être vraiment hot, là. Mais en fait, moi, je suis une peureuse de nature, puis j'écoute ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête, voici, mais c'est on un est peu pareil. Niaiseux. Moi aussi, c'est la même affaire. Tu sais, mettons, t'es-tu abonnée à Crave? Non, mais j'ai vu là, qu'il y avait... Oui, j'ai vu la pub. Tu comprends pas, là. Non, mais il y a plein de bonnes affaires là-dessus. Le genre, tu sais, justement, je suis en train d'écouter le documentaire sur le décès de la femme de Michel Perron. Je ne sais pas trop, Michel Perron aurait fait un meurtre qui est comme un ancien réalisateur de Radio-Canada, tout ça, bref. Puis c'est animé par Marc-Claude Savard puis Sébastien Trudel. Ouais. C'est tellement mon genre, en plus, ce genre d'affaires-là. C'est ça, mais tu sais, c'est tellement mon genre d'écouter ça quand un lit est parti puis qu'il fait noir puis que genre, là, ça soudainement, il y a des bruits. Sur la rue, genre... Exact! C'est ça, puis tu sais, genre... Ah, puis il arrive tout le temps des affaires, là, ces soirées-là. Mettons, les jouets à l'oreiller qui partent, genre, puis qui ne partent jamais pour rien, genre. Non, 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 je capote. Peut-être des petites niaiseries même où je suis comme, ah, là, j'ai-tu barré, puis aucune chance que je sorte de mon lit, non, genre, moi, je suis pas capable, là, pour aller vérifier si c'est barré. Mais en même temps, faut que j'aille, sinon je dormirai pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, non, je te comprends à 100%, mais je sais pas pourquoi, ça m'intéresse full, ça. Puis après ça, ben justement, tout ce que j'écoute, mettons, Victoria, Victoria. Mon Dieu. Écoute, t'es rendue international, donc il faut que je prenne un petit accent. Mais Victoria a fait beaucoup de vidéos qui sont comme partout à travers le monde par rapport aux crimes qui sont commis. Puis, tu sais, moi, je voyage quand même beaucoup, puis après ça, elle me fait des craintes que j'avais pas nécessairement. Mais en même temps, j'aime mieux le savoir, tu sais.
Je suis peut-être plus à l'affût, puis probablement que je m'imagine des affaires des fois, mais ça fait probablement que j'évite des situations où est-ce que je pourrais mettre en danger. Oui, oui, oui. Puis toi, t'es-tu exploratrice en voyage? Genre, tu t'en vas dans les rues, dans les coins locaux, les épiceries locales, les affaires? Ben oui, puis non. Je suis quand même peureuse, mon chum un peu moins, puis on voyage beaucoup avec mon cousin qui, lui, est zéro peureux. OK, OK. Fait que lui, il nous sort de notre zone de confort. Avec des hommes aussi, on est plus... Oui, exact. Mais bref, ça me met quand même en confiance. Mais tu sais, il y a des moments où est-ce que... tu sais, nous, on aime ça aller dans des places qui sont comme pas trop touristiques. Là, tu sais, fait okay. que, fait que tu sais, souvent, ça fait plus peur un peu, mais... Ouais. Moi, je suis vraiment, vraiment mauviette pour ça. Là. Ah ouais? Ah ouais, à 100%. Puis tu sais, le premier voyage que j'ai fait à vie, c'était la Jamaïque avec ma chum de fille. Puis en tout cas, on de a vraiment... en plus, tu sais. Ouais, ouais. Puis on a mal magasiné ça, là, comme c'est moi qui ai acheté le forfait. Je sais pas pourquoi c'est moi qui ai acheté le forfait. Comme j'avais jamais voyagé de ma vie, je connaissais rien. Puis j'ai pris genre un petit hôtel, genre miteux. C'est quand même trop cher, puis tu sais que tu disais OK, ça va être cher. Pas cher du tout, ça nous a coûté 700 $ tu sais, pour partir en Jamaïque, genre, mais ouf, tu comprends pas ma fille, en plus, là, en Jamaïque, c'est quand même cher, je pense, parce qu'il fait tout le temps beau là-bas, là, c'est vraiment cher. Puis on était à Montego Bay, qui est comme l'endroit où est-ce que vraiment les plages turquoises, sauf que l'affaire, c'est que mettons, il y avait des hôtels, tu sais, vraiment plus safe. Puis nous autres, on avait pris un hôtel random qui avait aucun accès à la plage, il y avait une petite piscine genre random dans l'hôtel, ben, tu sais, sur la cour de l'hôtel. Puis là, on a réalisé qu'on n'avait pas de repas. Fait que pour aller à la plage, il faut que tu amènes tes... Oh, t'avais pas de repas? Non, fait que là, il fallait aller au restaurant, mais tu sais... Genre, on allait au restaurant, mais tu sais, finalement, on s'était trouvé un petit resto vraiment safe, tu sais, qu'on allait tout le temps, mais finalement, ça a coûté cher. Puis aussi, tu sais, pour aller à la plage, il fallait comme aller payer une plage, puis marcher. Puis pour vrai, là, j'ai jamais eu peur de même. Puis en plus, c'était comme dans la vague qu'ils sortaient genre vraiment gros des crimes puis des affaires de criminalité dans le coin où on allait. Ma mère, elle pleurait, là, elle me suppliait de pas y aller. Genre, elle était comme, non, je veux vraiment pas que tu y ailles, puis tout. Puis, tu sais, mon amie, elle voyage beaucoup, fait que je me disais, tu sais, assez un peu. Ouais. Puis je vais la suivre, mais j'avais peur, là. Puis là, elle était comme, là, on va aller là. Puis j'étais genre, non, là, tu sais, j'avais tellement peur. Puis, tu sais, c'était vraiment, tous les gars nous abordaient, là, sans arrêt, oh, là. Non, dans la rue, tu sais, pas des gars, genre, alléchants, là, tu sais, des itinérants, genre, puis ouais, ouais. C'était juste ça, là, dans le coin qu'on était. Mais tu veux pas, tu te fais remarquer, là, tu sais, t'arrives là-bas, t'as l'air d'une touriste, là, tu sais, fait tellement, qu'est-ce que tu là. Fais dans ce coin-là? Eux autres, ils, ça avait pas ils font, tu sais, souvent, les gens veulent comme t'aider, mais c'est justement mon côté tout le temps d'avoir derrière la tête, OK, veux-tu m'aider parce qu'il veut m'aider ou il veut m'aider parce que, tu sais... Mais c'est ça, exact. Tu sais pas, tu peux pas truster personne. Tu connais pas leur culture, tu connais pas, tu sais, leur façon de faire. Tu sais, nous autres, au Québec, on est un peu plus naïfs avec les autres Québécois. Tu sais, on se dit, on fait confiance, tout ça, mais tu sais, là-bas, je veux dire, je sais pas, moi, puis en plus, ça disait qu'il y avait plein de criminalité. Ouais. J'ai vraiment pas... Ben, tu sais, j'ai apprécié le voyage parce que finalement, tu sais, c'est ça, il fallait payer pour les plans. Mais... On trouvait des endroits sécuritaires, mais c'était quelque chose. Mais ouais, c'est mais ça. Mais ça n'a pas dû. Ouais, non, ça n'a pas dû être évident. Là. Mais tu vois, ça m'a fait un peu ça quand on est parti notre dernier voyage à Madagascar. Okay. Tout le monde me disait, t'as pas peur. Puis je te le dis, là, les semaines avant de partir, j'étais bien sur le nerf. Là. J'étais comme, j'ai dit à Sam, je pense que ça ne me tente plus de partir. Tu sais. Là, on n'avait pas le choix. Là. Tout était acheté. Puis nous, on ne boucle pas d'avance, par exemple. Là. OK. T'sais, là, tu vois, on part dans 2 semaines, on part en Grèce, puis j'ai acheté mes billets il y a 4 jours. Là. Arrête! T'sais, on est bien, puis j'ai rien de booké. Là, il faut booker parce que là... Tu trucs, genre des sites le fun à regarder? Pas de temps. Moi, je me fie tout le temps à Google Flight parce qu'on boucle un vol. Ouais. T'sais, quand tu pars dans un tout inclus, ben là, c'est le fun, t'as le forfait, puis tout ça. Mais là, on boucle juste notre vol. Fait que souvent, je suis les prix, puis tu t'actives que tu veux suivre les prix, puis ça te notifie quand le prix baisse, le prix monte. Okay. Ça te notifie même si dans 24 heures, mettons, il va augmenter. Fait que ça te dit, ça t'envoie un courriel pour te dire, là, ton billet risque d'augmenter, là, le billet que tu checkes. Okay. Fait que tu peux te mettre la notification sur tous les billets qui t'intéressent. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Mais là, il y a 4 jours, tu t'étais-tu comme dit, on part en Grèce, c'est sûr? Ou mettons, tu dis, on cherche une destination? À la base, il y a comme 2 semaines, mon chum, il a finalement confirmé ses vacances à sa bosse. Okay, elle est tellement fine, là, quand même, parce que, tu sais, c'est quand même dernière minute. Ouais. Mais ça fait 2 ans qu'il n'a pas pris. Fait que 2 ans? Oui, c'est ça. Fait que, mon Dieu. Il a dit, c'est bien chill, là. Ouais. Mais elle est fine pareil. C'est quand même dernière minute. Mais, fait que là, on s'est dit, on va où? Fait que là, l'Italie, il fait un peu trop frais. C'est excitant, par exemple, genre, on va où? Let's go, c'est cet été, on part quelque part. Ben tu vois, mon chum, lui, il voulait aller genre Costa Rica, aller comme plus comme dans l'Amazonie, être...
Puis moi, ça me tentait moins en ce moment, un voyage de brousse, là. Ouais. Et j'aime ça, là. T'sais, mon chum, lui, tu vois, il était dans un vibe de voyage de hike, là. T'sais, on part, là, puis on va être dans la grosse nature. C'est vraiment le fun. Mais on dirait que là, j'avais comme... Je sais pas, j'avais une petite baisse d'énergie dernièrement, puis je me disais, OK, non, mais moi, je veux quand même... ça me dérange pas de faire de la randonnée, de marcher longtemps, mais comme je veux aussi avoir l'impression de me reposer, puis de visiter, tu sais, puis de... Tu sais, c'est quand même... Il y a quelque chose de ressourçant dans visiter d'autres cultures, changer de région, tout ça. Fait que c'est ça. Fait que là, on a décidé... Mais après ça, on s'est dit, le Portugal, ça nous tente-tu? Mon chum, il avait bien envie de la Corse. OK. Après ça, il y avait l'île de la Réunion qui le travaillait bien gros. C'est magnifique là-bas. Mais finalement, là, ça marchait pas avec la COVID. Là. Je pense que si on revenait, il fallait faire une quarantaine. Il fallait vraiment regarder des pays qui étaient comme... qu'on revenait avec un test négatif, mais que c'était chill parce qu'on était double vaccinés. Mais fait que c'est ça, c'était excitant. Puis pas parce que j'étais tellement pas dans le mood nécessairement d'un voyage que... comme hey, c'est vraiment un problème de mon chum il dirait que ça s'appelle un problème de riche là. T'sais, on c'est comme je sais pas où aller, ça me tente pas comprends. Tant que ça, mais c'est pas ça, c'est juste j'étais pas tant dans le mood de partir en voyage, puis tu vois là il y a 4 jours en réservant, tu sais, comme ça me tentait, puis j'ai hâte là, tu sais, j'ai retrouvé un peu d'énergie, puis de je sais que ça va être le fun là, mais là dans le fond t'as acheté ton vol, puis après ça tu vas magasiner genre des je marche beaucoup avec Instagram, je vais souvent voir mettons des pas des gens mais des hôtels mettons qui vont être tagués en Grèce, puis là après ça là, je check, puis là je me dis OK, ça c'est vraiment beau, j'ai envie d'aller là. Fait que là, ça s'enligne un peu, mais tu sais, c'est pas juste ça, là. On s'entend qu'on a les coins où ce qu'on veut visiter aussi. Puis tu sais, il y a plein d'îles en Grèce. Nous, on va aller au nord de la Grèce. Ça s'appelle le Météore. C'est un peu moins connu. OK. Puis c'est comme des... Je sais pas comment dire. Je sais pas si c'est des... J'ai même pas lu là-dessus, là. Faut que je m'y mette parce que, tu sais, c'est le fun d'arriver à quelque part puis de savoir un peu, là. C'est comme des genres de grosses montagnes, mais vraiment... comme rocheuse. Okay. Puis au top de ça, il y a des monastères, mais c'est magnifique. Oh, puis l'histoire de ça, ça doit être fou. Ouais. Fait que c'est ça. Là, au premier, on va sûrement commencer par ça parce qu'en ce moment, le temps froid arrive chez eux. Fait que là, on va aller comme le plus au nord puis on va descendre graduellement. Puis mon chum veut faire la Crète, c'est vraiment une île en bas de la Grèce. Mm-hmm. Puis ça, il y a des randonnées à faire. Fait que tu vois, tout le monde, il trouve son compte, là, tu sais. Puis sinon, il y a des petites îles, ben genre Santorini, tu sais. Je veux dire, je veux la faire. Mais, tu sais, on n'a pas encore de plan de match. C'est vrai. Mais ça, c'est quand même excitant. Mais... Oui, c'est excitant, mais j'aimerais ça, moi, être capable de faire ça. Mais... Tu sais, j'ai pas assez voyagé pour avoir comme la débrouillardise, on dirait. Parce que vous allez sûrement louer un auto là-bas, je sais pas. Ben non, scooter, tout se fait quand même en transport en commun. À date, ce que j'ai vu. Par contre, vu que c'est pas la haute saison touristique, ben là, les ferries sont plus rares. Fait que là, il va falloir voir. Mais tu sais, je regardais, là, prendre l'avion pour aller à une île, c'est genre 60 $. Fait que tu sais, c'est quand même pas la fin du monde. Puis tu perds, c'est 55 minutes le vol. Tandis qu'un ferry, c'est genre 12 heures. Puis c'est comme, souvent, c'est de nuit, par exemple, fait que tu peux dormir. Mais tu sais, comme je te dis, là, c'est tous des renseignements que j'ai été voir comme rapidement. Mais il me reste quand même du travail à faire, là, parce que, tu sais, je trouve que... On dirait que le fait qu'il y a eu la pandémie, que tout est un petit peu différent, bien là, ça me rajoute quand même un petit stress. Tu sais, je veux pas partir freestyle comme je pars d'habitude, là. Parce que, tu sais, je veux dire, je veux pas avoir de mauvaises surprises, là, puis être pris là-bas à finalement... tout est fermé ou c'est pas accessible, c'est ça, parce que j'ai pas le bon passeport vaccinal. Tu sais, je sais pas là, comment ça marche encore. Fait que c'est ça, faut tout que je lise là-dessus. J'ai dit à mon chum de s'occuper du volet médical, dose. C'est quand vous partez dans... Là, on part le 22, dans 2 semaines exactement, parce qu'on est quoi? On est mardi aujourd'hui? Oui. C'est lundi dans 2 semaines. Oh my God, c'est le fun. Mais là, on dirait que tout le monde part en voyage en ce moment. Là, les gens, comme... Let's go, tu sais, puis j'aimerais ça, moi aussi, là, qu'on parte avec Laurier, mais tu sais, nous, ça serait un petit tout inclus. Là, Mais ça serait parfait, parce que, tu sais, la première fois que vous l'amenez à la mer, là, c'est quand même cool. Ah, mon Dieu, tu comprends pas, là, j'en rêve, puis, tu sais, avant, j'étais comme, on va partir avec, on voulait partir en mai dernier, mais tu sais, il n'y aurait pas eu un an encore, il ne marchait pas, ça n'aurait pas été l'idéal. Tu sais, là, il marche, tu sais, il ne met plus tout dans sa bouche, tu sais, c'est con, mais... il va voir les choses, tu sais, il va jouer dans le sable, il va dormir en dessous d'un petit parasol, tu sais, faire sa sieste. J'ai tellement hâte, my God. Fait qu'on va commencer. Vous regardez pour ça comme... Bien, on n'a pas commencé, mais tu sais, j'aimerais ça, là, qu'on regarde ça, là, parce que... C'est ça, tu sais, l'été prochain, on veut vraiment rester au Québec. Fait que, tu sais,
Puis il y a tellement de choses à voir ici, là. Mais oui. Nous, si on n'avait pas... si les frontières n'avaient pas ouvert puis qu'on avait pris nos... J'aurais pris mes vacances un petit peu plus tôt, là, tu sais. Mm-hmm. J'aime... C'est plate parce que le moment idéal, en tout cas pour nous, de partir, c'est toujours au mois d'octobre. OK. Mais le mois d'octobre, c'est comme mon mois préféré de les feuilles, de tout est beau. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme... C'est le fun avant que ce soit comme tout gris. Ouais. Mais tu sais, novembre, c'est moins évident. Tu sais, tu peux partir dans le sud, tu peux partir comme justement là, au Costa Rica, ça aurait été parfait. Ouais. On aurait pu se louer des petites places, puis ça aurait été comme vraiment le fun. Mais bref, je trouve que c'est quand même... tu sais, en hiver, ben là, pour vous, ça va être comme plus évident de partir. Ah, moi, je suis tellement... Je pars l'hiver. Moi, je déteste l'hiver. Là. Genre, je rêverais d'avoir assez d'argent pour avoir un chalet, genre, en Floride. Ben peut-être pas en Floride, mais... Ouais. Tu sais, un chalet, genre, que l'hiver, là, je sac mon cœur. Ouais, genre, mon plus grand rêve de retraite, tu sais, là, mettons, je suis comme... Je vois l'hiver arriver, puis d'année en année, c'est de pire en pire. Je me dis, ça va être quoi, tu sais? Ça te déprime. Ah, vraiment, là, vraiment beaucoup. Ouais. Je déteste. Surtout avec un enfant, là. Je veux dire, c'est niaiseux, mais comme l'habiller au complet, ah oui, c'est sortir, ça. Déjà, là, déjà, comme... je me dis, ouf, là, tu sais, de... Ouais. Moi, c'est vraiment tout ce qui englobe la voiture. C'est ça, là, moi, l'affaire qui me gosse le plus d'un hiver. Genre, déneiger l'auto. Puis là, gérer l'ori en même temps. Genre que, tu sais, je suis comme, cet hiver, je vais faire comment? Tu sais, il va falloir que j'aille partir l'auto. Ouais. Là, est-ce que je le laisse dans l'auto pendant que je déneige? Ou bien, tu sais, je peux pas le laisser en dedans. Il va falloir que je le mette dans l'auto, mais il faut que l'auto soit chaude. Ouais. Fait qu'en tout cas, il y a plein d'affaires, genre, à gérer qui me stressent énormément. Non, mais je te comprends. Puis aussi, ben tu sais, veux pas, quand tu as un enfant en arrière, ben tu sais, ta conduite aussi, quand tu es en hiver, tu sais qu'il y a de la glace qui fait pas beau. Ben, tu y penses à deux fois avant de te mettre en danger. Des fois, tu le fais quand tu es tout seul, puis tu te dis, OK, ça va être bon, tout va bien aller, mais tu sais, c'est un autre game, là, tu sais. Oui, vraiment. C'est d'autres risques. Tandis que, ben, en été, effectivement, t'as pas tout ce trouble-là. T'embarques dans le char, puis c'est fini, on s'en va. C'est ça, exact. Puis, tu sais, partie en voyage l'été, j'étais allée à Cuba, il y a, ben, avant la pandémie. En été, puis... ah ouais, ça doit pas être tant. Ah, c'était inexplicable, la chaleur qu'il faisait. Ah ouais? Ça n'avait aucun sens, là. Puis, tu sais, tout était bouillant, les piscines, la mer, c'était chaud. Il n'y avait aucun moyen de genre te rafraîchir. Ben, juste aller à la mer, je me souviens de mon dernier voyage dans le sud, là, tu te brûles les pieds dans le sable. Là. Ouais, ouais, c'est comme même pas le fun. Non, tu vois ça, pas un enfant jouer dans le sable. Genre, l'air est tellement humide et chaud. Ouais. Genre, j'étais comme, je manque d'air, là, tellement que c'était intense. Là, tu sais, je me disais, ça le fera pas. Là, tu sais, puis après une journée, on avait... Moi, je m'étais mis de la crème solaire le 60, genre aux 15 minutes, puis j'avais l'épaule... là, complètement détruite. Ouais. Là, j'étais comme, non, là, je me mettais des t-shirts comme des enfants de 7 ans. Là, ça, c'est... Je me annonce ça. C'est ça, ouais. Puis, tu sais, trop, c'est comme passer quand il fait trop chaud. Ça. En hiver, c'est quand même plus raisonnable. Oui, c'est puis, ça, puis, tu sais, tu te reposes, t'es avec un enfant, tous tes repas, t'as même pas besoin de rien gérer. Exact. Si t'es chanceuse, il y a un petit snack bar sur le bord de la, de la plage avec des frites puis des croquettes, Non, c'est parfait, mais ça me manque quand même un peu ce genre de voyage-là. Ouais. T'en as-tu fait beaucoup, mais tout inclus? Ben, c'était plus en famille, tu sais. Okay. C'est ça qui fait que c'est des bons souvenirs, tu sais. Fait que, ben, je le referais, là. Tu sais, en ce moment, je vois tout le monde qui part à Tulum, là. Je sais pas si c'est des tout inclus, là, mais je pense que c'est plus peut-être, tu sais, il y a un cité, puis tu vas dans des restaurants un peu comme vous avez fait en Jamaïque, mais moins peurant, là. Mais ça, c'est un autre affaire. Les restos, je suis comme... Ça, c'est un autre affaire qui me fait peur. Genre, je me dis, je vais-tu être intoxiquée, genre? Oui, bien, ça dépend où tu vas. J'irais pas comme à Cuba, à quelque part, que c'est pas un tout inclus, puis que tu sors manger au resto, alors que tu peux sûrement avoir plein de places où c'est vraiment chill. Oui, oui. Mais tu vois, on est allé au Mexique il y a quelques années. Mon frère avait fait une session, il étudiait là-bas, puis j'avais ma tante qui était... Ma tante, je te parlais, qui était à Drummond... son mari travaillait là-bas, fait qu'il était expatrié, tout ça. Fait que mon oncle, un soir, on rentre, on est allé au bar. Là-bas, les bars ferment à 6 h du matin. Puis là, il transfère ton verre dans un verre en styromousse. Puis là, tu t'en vas, puis tu finis ton verre à 6 h le matin dans la rue. Ah, oh, ouais, Seigneur! Mais comme tu te sens pas en danger du tout, là. C'était vraiment comme c'était une super belle soirée. Puis là, le monde, à cette heure-là, rouvre leur porte de garage. Puis là, ils font des tacos. Okay. Mais comme avec une grosse pièce de viande que tu sais pas ça fait combien d'heures qu'elle est là. Ouais. Elle était sûrement dans le garage avant que le bar ferme, tu sais. Oui, c'est ça. Puis mon oncle, il dit, viens. Il dit, je vais te faire goûter ça, tu sais. Hein? C'est le meilleur repas que j'ai mangé au Mexique, tu sais. Arrête. Fait que, tu sais, probablement qu'en règle générale, je me serais empêchée d'aller dans une place de même en me disant, mon Dieu, tu sais, t'aurais dû voir la place, là. Il avait tiré comme des petites affaires qui servaient de table. Non, moi, j'aurais comme pas été gain. Moi, j'ai tellement peur que ça gâche mon voyage. Hein. Je suis comme, ça fait que je vais... C'est sûr que, là, mettons que t'es à tes premiers jours, puis là, t'as une genre de petite intoxication slash t'es malade. Mais là, non, c'est plate, là. Ouais. Mais bon, c'est sûr que
sais, il y avait mon oncle qui était là depuis quand même comme plus qu'un an. Il m'a dit c'est bien safe, puis il est vraiment dédaigneux. Fait que je me suis dit, OK, mais ça doit être safe. C'est une bonne référence. Si il est prêt à manger cette viande-là, tu sais. Il y avait quand même, tu sais, il y avait des mouches, il y avait des. Ouais. Mais c'était pas insalubre, tu sais, parce que sinon j'aurais dit, ben, oh, laisse faire, là. Mais c'était tellement bon. C'était vraiment bon. Puis, tu sais, j'ai pu goûter comme quelque chose qu'eux font, qui est comme, dans ce temps-là, je mangeais de la viande, là. Mais c'était vraiment bon, là. Ouais, ça fait-tu longtemps que t'es végé? Ça fait peut-être 4, 5 ou 6 ans. Ah, quand même. On dirait que j'ai pas de date nécessairement, là, comme quand tu tombes en couple. Ouais, ouais, mais ouais, c'est. Puis c'est le fun parce que mon chum aussi, on a commencé ensemble. C'est mon chum qui m'en a parlé. Tu as pris cette décision-là? Genre, ça s'est fait du jour au lendemain ou vraiment? Non, en fait, au début, au début. Bon, je vais prendre une petite bière. C'est signe. Mais au début, on a juste décidé d'arrêter d'acheter de la viande. OK. Puis même quand on allait au restaurant, là, si on avait envie d'un burger, on prenait un burger, tu sais. OK. Fait que, puis on se disait que c'était plus facile, tu sais, quand on allait dans nos familles, quand on était invité quelque part, ben de pas être végétarien. Ouais. Tu sais, ça fait pas tant d'années que, tu sais, comme manger un tofu pour souper, c'est pas bizarre, là. Tu sais, à vous, là, il y a 10 ans, tu sais, mettons, Kim, là, ça fait des années, elle, qui est végétarienne. C'est sûr que quand elle a dit ça à sa famille, ça devait être, tu sais, comme, OK, mais qu'est-ce que je vais te préparer? Ouais, ils savent pas, ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus commun qu'avant, là. Faut dire que, tu sais, les possibilités sont grandes maintenant. Ouais. Puis, tu sais, aujourd'hui, avec les fausses viandes, les Beyond Meat, tu sais, même chez IW, là, le Beyond Meat est super bon, là. Tu sens pas, là. Ils ont sorti des croquettes, c'était limité, là, mais. Là, je pense qu'ils sont plus là, mais des croquettes de poulet, c'était super bonne. Fait qu'il y a plein de produits alternatifs. Ben, mon but, moi, c'est pas tant de trouver des produits qui font la même affaire, là. Puis bizarrement, ce qui me manquait le plus au début, c'était le steak haché, peux-tu croire? Ah ouais? Ben, je trouve le steak haché, tu peux faire n'importe quoi avec ça. Ouais. Tu sais, quand t'as un petit livre de steak haché dans le frigo, ouais, là, c'est mal pris, tu tournes ça en tacos, un petit macaroni chinois. Oui, c'est vrai. Les possibilités sont là, tu sais. Mais je me suis habituée super vite. Puis là, on est déménagé dans les cantons de l'Est, est-ce qu'on connaissait personne. Fait qu'on n'était pas tant on n'avait pas tant de contexte de souper familial, etc. Donc là, on a complètement comme arrêté d'en manger. Fait quand on retournait dans nos familles, puis qu'on en mangeait, ben en tout cas, ça, moins. Mais moi, je réagissais vraiment, là, point de vue... j'avais des ballonnements, j'avais comme petit inconfort, mal de ventre. Fait que là, je me suis dit, bon, ben là, tu sais, au pire, j'amène mes affaires, ça me dérange pas, là. Tu sais, je veux jamais que ça soit un poids, là. Mais les parents à Sam sont rendus quasiment... Tu sais, quand on y va, ils mangent quand même beaucoup végétarien de base, parce que sa sœur aussi est végétarienne maintenant. Fait que, tu sais, petit à petit, comme les gens se sont habitués, ma mère est cute, tu sais, t'as-tu besoin que j'achète quelque chose? C'est quand j'arrive à dire, ah, je t'ai trouvé ça, là, ça avait l'air bon. Tu sais, c'est tout le temps des produits que je connais pas, que j'ai jamais vus, puis que je me dis, ah, OK, ben on va faire quelque chose avec ça. Fait que, tu sais, puis elle est full ouverte, là, elle, tu sais, tout ce que je vais faire, que ce soit végé, que ce soit du tofu, n'importe quoi, elle va le manger. Mais elle dit, c'est juste pas, moi, cuisiner ça, tu sais. Fait que souvent, c'est le fun, tu sais, ça, c'est des gens... découvre, puis j'ai été surprise à quel point les gens sont quand même, tu sais, ouverts à dire, ben écoute, fais-nous connaître quelque chose, tu sais, puis ils sont pas comme... Ben moi, ça serait ça, là. Moi, j'ai... En fait, j'ai été végé, pas végane, végé pendant... OK, c'est vrai. Mettons, pendant un an... Ben avec mon ex, dans le fond, on est resté 2 ans ensemble. Je pense qu'après 6 mois, on a commencé à manger végé, fait que pendant 1 an et demi... Puis vois-tu, ça m'a tellement saturée. Mais autant que quand j'étais dedans, genre, j'étais comme, tu sais, c'est le fun. Puis tu sais, je me faisais des recettes. C'est beaucoup cuisine du monde, là, tu sais, indien, thaïlandais, tu sais, beaucoup de trucs de même. Puis après ça, quand j'ai rencontré Oli, qui lui était pas végé, ben là, tranquillement, j'ai recommencé un peu à en manger. Puis tu sais, moi, j'ai jamais été comme activiste ou, tu sais, je mangeais vraiment. Au début, c'était vraiment plus une question de comme. Santé, là, même si c'est pas, c'est pas tout le temps les affaires les plus santé, mais genre, j'étais comme du tofu, tu sais, au lieu de mettre, je sais pas, du bœuf ou, tu sais, d'aller dans des trucs de même. Puis là, je me suis comme habituée à ça. Puis, tu sais, j'aimais vraiment les saveurs du monde. Mais là, à un moment donné, c'est ça, quand j'ai rencontré Oli, puis là, j'ai recommencé à manger plus des plats typiques parce qu'on dit que les plats québécois, c'est vraiment. Très viande, carnivore, c'est ça. Légumes. Puis, tu sais, nous autres, on est bien barbecue, là, tu sais, genre, petite papillote, petite viande sur le barbecue. Fait que je suis vraiment devenue genre carnivore intense. Pourtant, je suis pas tant fan de viande que ça, mais c'est comme ma vie a transitionné, retransitionné vers ça. Puis là, je suis comme, oh, je fais juste repenser à comme les plats, tu sais, justement,
cuisine typique, là, puis comme ça me tanne vite, genre, parce que j'en ai tellement mangé, puis j'étais pas capable de me réinventer, tu sais, dans les recettes végé, genre. Mais tu sais, je me souviens qu'au début, les premières recettes qu'on se faisait, on roulait sur comme un peu les mêmes recettes, tu sais. Mais la cuisine de Jean-Philippe, genre. Ouais. Puis tu vois, mais je l'adore, lui, son Général Tao. C'est le meilleur Général Tao végé que j'ai mangé. Mais tu sais, moi, j'aime beaucoup, je cuisine beaucoup intuitivement. Fait que souvent, je fais des mélanges. Tu sais, c'est bien rare que je suive une recette, là, vraiment pour suivre une recette. Okay. Là. Fait que tu sais, ça a probablement fait que j'ai comme essayé des affaires. Puis que tu sais, mais c'est vrai que ça peut revenir tout le temps du pareil au même. Là. Ouais. T'sais, quand tu vas chez des gens, ben, t'sais, des pâtes au pesto, ça vient. Puis effectivement, ben, si tu aimes les légumineuses, ben, là, c'est vrai que la cuisine du monde, tout ce qui est indien, moi, j'adore. Mais t'sais, c'est drôle que on dirait que de tout ce que je cuisine, je pense pas que c'est tant cuisine du monde. C'est vrai, c'est quoi, mettons, ça ressemble à quoi un menu chez toi, genre? Ben, ça dépend. Moi, j'adore les pâtes, là. Fait que c'est facile de manger végé, là. Des fois, il y a des gens qui sont très. Qui disent, ah non, moi, je suis carnivore, mais t'sais. Tu t'en rendras pas compte, là, même si tu viens chez nous. Là. T'sais, quelqu'un qui a vraiment une aversion de dire... Ouais, mais ça, c'est une autre affaire. Genre, le monde qui sont comme, mais tu n'y verras que du feu. Genre, mais souvent, les carnivores vont faire comme... Mais tu sais, je trouve que c'est de chercher des bébites. Là. C'est comme d'être tellement fermé à comme... Puis de tellement vouloir que ça goûte la viande. T'sais, laisse-toi donc aller dans quelque chose de nouveau aussi. Puis de... Puis ça aussi, c'est une question un petit peu de génération. Là, je pense à la génération, comme, mettons, de nos parents. Tu sais, c'est comme un peu plus... mais tu sais, il y a une ouverture, comme je te dis. Les parents à Sam, là, sont vraiment... Tu sais, même... Surtout son père, là. Sa mère, tu sais, est super ouverte, là. Mais son père, c'était... Tu sais, il est quand même un petit peu plus difficile. Il était comme moins ouvert, mais tu sais, comme il y a pas grand-chose qu'il mange pas de... Tu sais, il va l'essayer. Bon, il y a des affaires comme... strict qu'il aime pas, là, tu sais. Exemple, t'aimes pas les champignons, t'aimes pas les champignons. Ouais. Même si j'en mets dans une recette végé, tu trouveras pas, ça, là. Exact. Mais non, j'adore cuisiner des pâtes, là. Puis sinon, ben, tu sais, on fait beaucoup quand même de tofu. Mais tu sais, c'est comme par passe, je sais pas toi, là. OK. Mettons, des fois, de temps en temps, on fait comme vraiment beaucoup de recettes de tofu. Puis comme, à un moment donné, le mois suivant, on est comme full légumineuse, là. Il me semble que ça fait longtemps qu'on a mangé de tofu. Puis là, avec Sam, on se dit... Ouais, on serait dû là pour se faire on un dirait bon que tu as fait moi là. Non. Mais ça a été ben tu sais, faut vraiment que ça soit bien cuisiné parce que ça peut être vraiment mauvais. Ça. Puis moi, il y en a juste une sorte que j'aime là, le plus dur là, faut qu'il soit vraiment dur. Là. Moi quand c'est mou là. Ouais. Puis tu sais que non, là, ça a une texture là, pas de jello mais comme de jujube un peu là, trop mou là. Faut que ça soit vraiment dur. Okay. Puis tu sais cuit là mais cuit là, tu sais croustillant là. Ouais. Mais tu fais sinon... ça genre avec légumes, petite sauce, tu légumes, mets quoi genre je veux ça. Hier on a mangé des tacos de tofu avec une sauce qui appelle une sauce bang bang mais je sais pas si je connaissais pas ça avant. Épicée, genre? C'est une sauce un peu épicée, sriracha avec mayo. C'était full bon. Et mon chum, il dit « Yo, c'était bon ça, Kat. T'as pris ça où, cette recette-là? » Mais tu sais, je fais beaucoup de Pinterest aussi. Là. OK. Fait que ça aide. Ça donne des idées. Mais tu sais, sinon, comme là, à soir, je sais pas quoi cuisiner. Ça va sûrement finir par être des pâtes. Je me fais une petite sauce rosée que je déglace avec un petit restant de vin blanc qu'on n'a pas fini, tu sais. C'est comme bien relax, là. Tu sais, en ce moment, je te disais, j'ai des petits problèmes de peau. Fait que j'ai essayé de couper le produit laitier. OK. Je me dis, ça va peut-être m'aider. Tu as une différence? Bien, pas encore. Ça fait comme 2 semaines que je fais comme plus attention. Fait que là, je t'avoue... Mais tu penses que ça serait ça? Bien, je sais pas, là. J'écoute, j'essaye, là, parce que j'ai eu vraiment, là, une poussée, là. Puis, tu sais, comme de... Ça fait mal, là. Tu sais, comme c'était vraiment intense. Puis, fait que là, je me suis dit, bon, je vais essayer de voir. C'est sûr que j'ai mangé quelque chose. Dernièrement, j'ai eu quand même aussi beaucoup mal au dos. Fait que j'ai pris beaucoup d'anti-inflammatoires. C'est-tu ça? C'est dur, là, de voir. Oui, c'est ça. Voir. C'est difficile à dire. Mais c'est ça. Là, je me dis, tu sais, déjà dans mes lattés, moi, je prends tout le temps du lait de soya ou du lait d'avoine. Fait que à ce niveau-là, tu sais, j'ai pas de problème. Mais le fromage, tu sais, je pourrais pas être végane à cause de non ça. Non plus, j'adore c'est vraiment le fromage. Le yogourt, je pourrais le couper. Le lait. Oui. Non, le fromage, c'est tellement bon. En plus, bière et fromage, viande. Mon Dieu, veux-tu qu'on en parle? Oui. Moi, les saucisses aussi, ça me manque. C'est quelque chose que je trouvais le fun. Bière et saucisses, là, c'est un concept quand même. Oui, c'est ça, exact. Le fun. C'est ça. Mais tu sais, c'est pas parce que. C'était pas. Ben oui, il y a le côté santé, mais c'était pas ça d'emblée. C'était vraiment. Les animaux, genre. Mon chum, c'est beaucoup pour l'environnement. Ouais, okay, c'est très polluant, là, oui, l'élevage. C'est impressionnant. Bovin, tout ça. Puis l'élevage en général. Moi, c'est beaucoup les. Tu sais, moi,
dépasser sur l'avant un petit troc avec des petites truffes de, ouais, de cochon, on dirait que ça vient vraiment me chercher. Oui, moi aussi, beaucoup. Moi, c'était ça, là, en fait, initialement. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, c'est spécial aussi, là, mais j'aimerais ça, là, recommencer à faire des recettes. C'est pour ça que je suis comme, donne-moi toutes tes recettes. Oui, fait que là, c'est ça, je te transférerai quelques petites recettes de base. Tu sais, les gens qui me disent, j'aimerais ça manger plus végé sans être végétarien. Tu sais, c'est le fun aussi de juste comme l'intégrer. Là. Il y en a qui font comme le lundi végé. Ou, c'est ça, exact. Sans se dire, tous les lundis, je mange végétarien, juste de... C'est une fois par semaine ou t'sais, peu c'est importe. Exactement ça. T'sais, c'est un peu comme les couches lavables avec... Ouais. Moi, j'étais vraiment fermée avant, là, comme je ne voulais, ouais, rien savoir. Puis je dis souvent aux gens, fais deux jours. T'sais, ne, ouais, serait-ce que deux couches par semaine, mais à la fin de l'année, c'est beaucoup de, ouais, couches que tu as sauvées, non, là, t'sais, pour l'environnement. Fait que t'sais, pas obligé d'y aller tout le temps, tout pantoute. Ouais. Tu peux juste y aller à ton rythme. Ouais. Puis t'sais, moi, ça a été ça au départ là, avec les couches lavables. Je ne veux pas embarquer là-dedans, mais tu sais... J'en faisais pas beaucoup, juste un petit peu. Puis à force, j'ai comme fait crème, finalement. Tu sais, je trouve ma routine là-dedans. Puis comme, j'ai décidé de transitionner vraiment. Puis c'était vraiment pour l'environnement, là. Tu sais, je me disais, ça n'a pas de bon sens, la quantité de couches, ouais, qui est jetée par année. Ouais, moi aussi, j'avais, c'est drôle que tu dises ça, j'avais quand même un préjugé. Puis tu vois, ma belle-sœur vient d'avoir un petit bébé, puis elle a le fait dès la naissance. Là. J'ai trouvé comme un motte. Tu sais, t'arrives à l'hôpital, c'est pas facile. Là. Ouais. Puis, tu sais... Non, moi, si par exemple, je serais pas... Je sais pas s'il a fait une semaine de couches jetables. Ouais. Là, ça, je peux pas te dire. Mais comme elle a vraiment été rapidement vers les couches lavables, puis elle s'est développée une routine. Puis, tu sais, on dirait que j'avais un préjugé de dire, OK, mais attends, là, tu sais, tu mets quand même... comme du caca dans ta laveuse, tu sais, c'était comme tout ça, puis finalement elle me dit non, il y a tout un fonctionnement, puis tu sais, quand je me suis mis à comme savoir comment ça marchait, je me suis dit ok, mais c'est cool, tu sais, ouais, dans le fond, puis tu sais, au pire, là, comme tu dis, tu fais deux jours par semaine ou tu fais quand t'es chez vous, mais quand t'es ailleurs, garde, c'est des couches jetables. Mais nous autres, c'est ça, mettons. T'sais, quoique là, tu sais, je commençais à en parler à Oli, j'étais comme, tu sais, quand on sort, on pourrait commencer, parce que, dans le fond, l'affaire qui était comme dérangeant, c'est que, ben là, je veux pas embarquer là-dedans, mais tu sais, laurier, mais les cœurs sensibles vont peut-être pas aimer, mais genre, tu sais, c'est en vieillissant, là, que les selles sont plus, ouais, dures un peu, fait que, tu sais, au ça début, c'est plus, comme une plus grosse gestion, ouais, là, tu sais, que j'avais pas envie de gérer en sortie, mettons, mais là, maintenant, qu'il fait comme des petites boules dures... Ça, c'est facile. C'est ça, ça gère mieux. Fait que, ouais, là, je suis comme, tu sais, on pourrait commencer à faire ça en sortie. Mais bon, on parlera pas, ouais, de couches. On disait, ouais, c'est ça, le végétarisme. Ouais. Mais oui, je veux vraiment que tu m'envoies tes recettes parce que j'aimerais ça, là, tu sais, une soirée semaine. Là, j'essaie là, qu'on reprenne un rythme de vie plus sain. Là, je trouvais que, là, c'est sûr que j'avais l'école là, de soir, mais comme, tu sais, je suis comme, là, je veux recommencer à m'entraîner. Là, je commence à... Ouais. Avec l'hiver qui arrive, on sort plus, on est moins actif. Je trouve que la pandémie aussi a fait beaucoup de « Ah, je le ferai plus tard. » Tellement. Puis comme moins de motivation aussi, je sais pas toi, ouais, là, mais comme même si on avait plus de temps pour comme se reposer, on dirait que c'était comme plus fatigant. Je sais, ouais, pas trop comment expliquer ça, là, mais fait que pareil, là, tu sais, là, l'hiver arrive, je me dis « OK, non, je veux pas comme être... dans un état végétatif, là. Non, je veux comme ça, bouger, exact, un peu. On s'est acheté un vélo stationnaire sur Marketplace. Là. Je commence à faire du Marketplace. Là. Je m'en viens vraiment. C'est vrai, moi, j'adore. J'adore. C'est fun, hein? Oui. Tu sais, quand tu pognes un deal, là, que t'es content. Là, ouais, c'est mais comme... là, ça peut vraiment te faire dépenser. Là, quand tu décides, ouais, d'y aller aléatoire, je suis comme, ouais, mon Dieu, que je me crée des besoins. Ouais, puis là-dessus aussi, tu peux te mettre des rappels là, sur, mettons. Oui, des alertes. Là. Ouais, c'est ça. T'as une alerte là, parce qu'il y a un nouveau meuble en bois qui vient de sortir. Ouais, c'est comme. C'est terrible. Oui. Mais ça vaut la peine. Ben c'est, oui, fou. On vient de s'acheter un banc d'auto là, pour Laurier parce qu'on avait un. Tu sais, je n'avais acheté un quand même assez cher pour mon auto. C'est tout le temps moi qui voyage Laurier. Là, Lee, avec ses horaires de travail, c'est pas possible. Mais j'aimerais ça des fois quand même que, tu sais, on n'ait pas à gérer le banc d'auto si jamais. Fait que là, j'étais comme, on va en acheter un sur Marketplace. Mais ça nous a coûté. Elle vendait 100. Puis j'ai écrit, j'ai dit, hey, c'est encore disponible. Elle dit, je te laisse à 60 si tu viens le chercher t'as tantôt. T'as même pas eu besoin de négocier. C'était là, parfait, j'arrive. 60$, puis il est comme neuf, là, genre vraiment beau. Ben là, puis là, c'est parfait, là, comme ça. Ouais. Ben, c'est parce que j'avoue que changer le banc d'auto, là, surtout que je sais pas comment que ça s'installe. Non, mais c'est quand même assez simple. C'est juste que, mettons... C'est chiant. Ouais, c'est mettons, il faudrait que j'aille le chercher à l'autre bout de la ville, à job à Oli, mettons. Fait que, tu sais, c'est comme une heure de détour pour aller, ouais, chercher le banc, tu sais, qu'on pourrait s'éviter, ouais, si, mettons. Ben, j'aimerais ça que le matin, il aille le porter à la garderie, puis que moi, j'ai pas à ouais, sortir. Mais, tu sais, en même temps, je travaille à la maison, là, tu sais, j'ai juste ouais, à faire. Ouais, mais si sur sa route, ça peut te sauver. Ouais, c'est un petit détour, mais en même temps, je me dis, tu sors, tu sais, fais juste sortir en 15 minutes d'avance.
Ouais. Mais en non, tout cas... je comprends, mais en même temps, c'est vrai que tu sais, il faut quand même que tu le planifies dans ton temps. Ouais, ouais. Je veux dire, c'est comme tu as dit, là, un matin, vous étiez rush pour tout installer tes affaires. Ouais, t'as c'est pas juste chose. Le podcast non plus. Non, c'est t'as, ça. T'as d'autres contrats, t'as d'autres engagements. Ouais. Fait que tu sais, veux pas, ça remplit une journée. Là. Fait que si tu sauves une petite demi-heure, surtout là, avec l'hiver qui arrive, comme tu dis, là, tu vas sauver plus de temps encore. Ouais, c'est ça, exact. Là. Fait que ça va être vraiment génial. Puis là, t'as-tu beaucoup de contrats, c'est ton. Oui, puis là, comme je te dis, vu qu'on part en vacances, ouais, c'est quand ça, même faut la que gestion. Gères, mais... Fait que là, justement, aujourd'hui, j'étais supposée faire ça. Là. Je vais sûrement faire ça ce soir, comme vraiment tout regarder mon calendrier puis vraiment faire, comme vraiment établir mes priorités. Là. J'ai mes petites to-do, mais ouais. J'ai tout le temps 50 to-do list. J'écris mes affaires sur tous les papiers. Mon chum me dit, mon Dieu, comment tu fais pour te retrouver? T'sais, au dos d'une enveloppe, j'écris une affaire. Aussi, n'importe je me prends où. Une note. Puis là, mais là, après ça, je me dis, hey, j'ai noté ça quelque part. Il faut que tout que je fasse le tour. Ah oui, je pareil. Moi, c'est parce que j'ai comme 8 cahiers Canada. Oui. Puis là, je me dis tout le temps, écris-les, tu sais, classe-les. Oui. Ce cahier-là, il est pour ça, ça, ça. Et je finis tout le temps. Ah, un appel, tu sais, je prends le premier vite. Puis là, moi aussi, là, je passe je perds du temps à chercher dans le cahier. Mais ça fait tellement du bien de s'organiser. Là. Moi, c'est ce que j'ai fait dans la dernière année. C'est quelque chose dont je suis vraiment contente. Ouais. C'est vraiment, j'ai essayé de m'organiser plus. Bon, tu sais, il y a des petites failles, là. Mais ça fait du bien, comme pour le moral, de s'organiser. Ouais. On dirait d'organiser notre environnement, ça fait qu'on est plus organisé dans notre tête. Ouais. En tout cas, moi, je trouve. Fait que c'est ça. Fait que là, il faut tout que je regarde parce que j'ai quand même... Tu sais, c'est rush le temps des fêtes, là. Tu sais ce que c'est, là, avec la création de contenu. Puis j'ai du contenu à faire. Ben tu sais, j'ai essayé de... Moi, j'ai écrit aux agences puis aux clients. Des fois, je fais affaire directement avec le client que je partais en vacances ces dates-là. Okay. Fait que tu sais, des fois, eux autres, il y avait des délais de leur côté. Je leur disais, ben moi, ça ne me dérange pas que tu aies un délai, mais telle date à telle date, tu sais, je suis disponible. Fait que, tu sais, soit s'il faut que je crée le contenu dans ces dates-là, ben c'est sûr que je ne serai pas là. Puis, s'il faut que je le publie, ça ne me tente pas tant. Ouais, tu sais, là, comme ça. Là, il y a un concours le 1er décembre, puis c'est une compagnie que j'adore, puis ça me dérange pas. Fait que je vais le faire, tu sais, faire un petit intermède, puis tu sais, dire aux gens, bon, ça a été créé avant que je parte, mais tu sais, 1+1, là, quand tu le vois apparaître. Mais tu sais, juste une petite parenthèse, tu sais, pour l'amener. Mais tu sais, je ne veux pas faire ça tout le temps de mes vacances non plus. Pas parce que c'est lourd, mais parce que je trouve que ça ferait bizarre de, t'sais, d'être en Grèce puis de publier du contenu d'ici, t'sais, parce que veux pas, quand on publie, tu sais, là, il y a comme un petit, t'sais, la caption, tout ça, t'sais, je trouve que ça serait comme... ben, en fait, je sais pas, là, c'est peut-être moi qui se mets cette pression-là, là, ça serait pas vraiment grave, là, on s'entend, là. Ben, ouais, c'est ça. Tu sais, je ne me tente pas de mettre ce stress-là, surtout qu'il y a un décalage, tout ça. Fait que, tu sais, je gère de publier avant ou après le voyage, sauf dans des cas où est-ce que j'ai pas le choix, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, je peux pas chialer, là. Je suis tellement reconnaissante d'avoir en comme ce moment, ça va-tu bien? Tu sais, t'as-tu beaucoup d'offres, le fun? J'ai quand même des beaux contrats, puis tu sais, je trouve ça le fun parce que... Ce que je trouve le fun dans la création de contenu, puis qui doit être difficile, tu sais, peut-être pour certaines personnes, c'est que, tu sais, vu que j'ai commencé à faire de la photo, puis à faire d'autres choses autour, ben, tu sais, ça peut être difficile là, d'être créatrice de contenu, là, puis des fois, tu peux, tu sais, comme accepter des contrats que, tu sais, t'en as besoin pour arriver à la fin de ton mois, mettons. Je veux pas dire que c'est pas... que tu l'accepterais pas. C'est pas l'idéal. Là. Mais en tout cas, moi, je le ferais pas, tu sais, j'aimerais mieux. Mais non, mais en fait, tu sais, des fois, il y a des contrats que ça pourrait être quelque chose que tu utilises. C'est juste que, mettons, point de vue harmonieux, ça fit comme moins avec toi, mais okay, tu l'utilises, ouais, je comprends. Là. Oui, oui. Mettons, je vais te dire, je sais pas, je vais te lancer n'importe quoi, là... Il y a une compagnie d'essuie-glaces là, qui t'arrive puis qui dit, moi, je veux que tu parles de mes essuie-glaces. Ben, ça, peut-être que tu as cette marque-là. C'est quelque chose, moi, c'est juste ça. Que ça ne fit pas tant avec toi. Oui, je comprends. Mais comme tu vas, tu vas l'accepter parce que, bon, il faut que tu arrives à la fin du mois, tu sais. Bien, heureusement, tu sais, moi, vu que je suis comme tellement diversifiée, puis je pense que toi aussi, mais ça nous permet d'accepter, tu sais, comme des contrats que tu te dis, bien, hey, ça fit vraiment, le fit est là. Ouais. Je veux essayer ton produit, tu sais, avant d'en parler. Puis après ça, ben go, là, tu sais, on se lance. Fait que c'est tellement le fun. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'agences qui te laissent vraiment libre cours, là. Ouais, c'est le fun, ça. Non, des fois, mais c'est difficile, là. Ouais, ouais, c'est ça. Des fois, j'ai regretté, là. Je suis sûre que ça t'est arrivé, là. Ouais, ouais. T'sais, on a toutes fait des. Mais moi, en ce moment, c'est pire que. Ben, pas c'est pire que jamais, là, mais comme. Je pense que je me suis vraiment tirée dans le pied parce que moi, je suis une personne qui parle beaucoup,
qu'aime être généreuse. Tu sais, je suis généreuse de ma personne. Fait que, tu sais, si je reçois un colis PR, c'est sûr que je vais aller faire mes recherches vraiment sur l'entreprise. Ouais. Je veux bien l'expliquer. Ouais. Ça, justement, Eve Labine, elle m'en parlait. T'es comme, Crème, elle dit, t'es tout le temps l'air renseignée, genre, puis tout. Je suis comme, je sais, puis des fois, je me mets beaucoup de pression, puis je refais 48 000 fois ma story parce que je suis comme, ah, j'ai oublié cette info-là. Je veux tellement tout dire, genre. En même temps, je suis comme, je fais tout ça gratuitement. Là. Je fais tout le temps, genre, 15 stories pour un produit gratuit. C'est très engageant, là, parce que, tu sais, ça donne envie là, d'aller en apprendre plus, là, tu sais. Mais exactement. Ouais. Sauf que là, après ça, moi, toutes les entreprises veulent juste m'envoyer des colis gratuits. Là, ils voient que je fais ça gratuitement pour tout le monde, genre, tu sais, parce que j'en donne trop, genre. Ouais. Fait qu'après ça, j'ai plus de crédibilité, mettons, pour demander une rémunération. Mettons que quelqu'un te dit on t'enverra un colis, tu sais, tu peux dire, ben, avez-vous Mais là, je commence. Ouais, mais c'est ça. Mais là, je suis dans une agence, là. Fait que c'est eux qui gèrent ça, mais tu sais. Ça doit t'enlever ce poids-là, là. Ouais, parce vraiment. Que, tu sais, pour quelqu'un de, tu sais, comme tu dis, généreux, je me souviens, moi, je suis un peu comme toi, puis je me souviens dans les débuts, c'est difficile. C'est difficile de ne pas se sentir mal ou de... C'est difficile de se dire, « Hey, ce que je fais, ça vaut quelque chose. » Je suis tellement tannée de me justifier tout le temps puis que le monde se désiste parce qu'ils n'ont pas de budget. Je suis comme, « De quoi tu n'as pas de budget? » Tu sais, je me dis, « Tu sais, OK, tu n'as peut-être pas le budget, mais il y a toujours moyen de s'organiser, tu sais, puis tout ça. » Puis je comprends que ça a une certaine valeur, mais crème, on le voit là, avec les statistiques à quel point c'est gagnant la création de contenu puis que le marketing web, il est plus fort que jamais, genre. Puis là, je suis comme... Mettons, moi, ça m'insulte tellement de devoir encore dire... Tu sais, je rémunère. Ah, ben on pensait qu'on pourrait juste... Tu sais, que tu fasses ça gratuitement. Je suis comme, est-ce que c'est une blague? Puis là, mettons, un enfant qui m'a vraiment choqué, là, que j'en parlais avec une de mes amies créatrices hier, là. J'ai vu une fille, là, dans mon Instagram, là, elle a comme même pas 300 abonnés, puis elle a fait une photo, genre, produit reçu. Puis c'était comme une grosse marque de vêtements, là, genre, vraiment connue, là, tu sais, qui... Qu'on va taire. Non, non, mais c'est ça, je le dirais pas, mais je suis comme, crème, on sert à quoi, nous autres, genre, tu sais, s'ils envoient des affaires du monde de comme 200 abonnés, puis c'est correct... Ouais. C'est correct de vouloir devenir créatrice là, de contenu. En plus, je sais que il y a beaucoup de compagnies qui se tournent vers des micro-influenceurs. Ouais. Mais tu sais, moi, je me dis, plus qu'on se tient, plus qu'on tient à mon travail vaut quelque chose, ton travail vaut quelque chose, bien plus que les compagnies vont dire, bon, ben là, on n'a pas le choix. T'sais. Souvent, moi, je suis vraiment prête à piler sur ce que je demande habituellement parce que, bon, c'est une compagnie d'ici, c'est une compagnie avec des belles aussi, valeurs, ben et tout. Mais tu sais, est-ce que c'est la bonne affaire à faire de tout temps? J'ai l'impression que moi, je fais beaucoup, beaucoup de concessions tout le temps. Oui. Puis que dans le fond, je me dis, crème, c'est vrai, là, comme tu dis, tu sais, ça a une valeur, puis... Je veux dire, on a travaillé extrêmement fort pour avoir la communauté qu'on a. Tu sais, c'est pas juste le travail qu'on fait qui vaut quelque chose. Des fois, tu sais, ben c'est ça, ils vont t'envoyer des trucs, mais c'est pas avec ça que tu vas payer ton loyer à fin du mois aussi. Mais non, mais c'est ça, là. C'est ça, on dit ça, mais tu sais, eux autres... Mais c'est vraiment ça, là, tu sais. Puis tu sais, eux, ben tu leur amènes, ça génère quand même des ventes. Fait que, ils ont des retombées. Fait que c'est difficile de jongler là-dedans, surtout que je trouve que la création de contenu, c'est tellement nouveau. Ben, en tout cas, du moins... rémunéré, que, tu sais, même pour les compagnies, il y a des compagnies que, tu sais, leur gestionnaire de compte, tu sais, que ce soit du compte Instagram pour nous approcher ou soit la personne qui nous écrit au marketing, bien, des fois, ils n'ont même pas quelqu'un au marketing, là. Ouais, c'est ça. Ils nous écrivent, puis, tu sais, ils ne savent pas trop, ils n'ont jamais fait ça. Fait que, tu sais, c'est là que c'est important de dire, bien, ça vaut quelque chose, mais, tu sais, vous êtes une super belle entreprise, j'ai envie de collaborer avec vous. Est-ce que, tu sais, souvent, mettons, des compagnies n'ont pas de budget. Moi, des fois, ça ne me dérange pas. Dans le sens, je me dis, OK, collaborons ensemble. Vous allez voir ce que je fais. Peut-être dans le futur, ça puis après ça, ben, tu sais, mais des fois, ça a double tranchant, là, parce qu'après ça, ben, ils vont le faire avec toi, ils vont le faire avec une autre, tu sais. Mais bon, à long terme, je pense que, tu sais, tu te fais voir, puis, tu sais, les gens savent comment que t'es, puis, tu sais, à quel point, tu sais, comme t'es pur dans tes intentions. Puis, tu sais, je veux dire, pas tout le monde qui fait ses recherches puis, tu sais, qui veut donner le plus d'infos possible. Puis, tu sais, probablement que, tu sais, quelque chose de que tu as reçu gratuitement, tu fais probablement 4 fois les stories de quelqu'un qui serait payé. Puis... Mais c'est ça, tu sais. Puis, fait que je trouve que j'aide pas à la cause non plus de ben, tout le monde. Mais... C'est cool parce que tu botches pas ton travail, là. Parce que, tu sais, il y en a des fois aussi, tu te dis... T'sais, des super gros noms qui font un contrat, mettons, le même contrat que toi, puis que tu t'es vraiment forcé, puis tu y as mis du cœur, puis tu sais, il ne faut pas se comparer, puis tu sais, il ne faut pas juger non plus, mais tu sais, des fois, je me dis, my God, OK, je me suis vraiment forcé, puis tu sais, après, tu te dis, ils ont eu de la misère à m'accorder comme un certain montant,
Puis, tu sais, après ça, tu vois ce qui est fait. Ouais, c'est ça. Tu sais, je peux pas quand même... Je me compare pas, mais je peux pas m'empêcher de me dire, OK, ben tu sais, avoir su, je me serais pas stressée, là, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça, exact. Mais bon, écoute. Ouais, en tout cas, regarde, fallait que je me... Non, je te comprends. Fallait que je me confie là-dedans, parce qu'on dirait que ces temps-ci, j'ai vécu vraiment des frustrations, tu sais, puis... Mais là, avec ton agence, ça doit quand même aller mieux, parce mais que... Mais là, c'est parce que dans le fond, moi, je suis dans mon agence depuis un mois, okay. Je les aime d'amour, genre, mais tu sais, comme, moi, je vois pas les courriels s'échanger, fait que là, je suis comme, en ce moment, il se passe rien. Ouais. Je reçois des demandes de gratuité. Mais dans le fond, là, toi, tu t'es pas... Mettons, eux reçoivent un courriel, mais toi, tu le reçois, puis tu le vois. Dans le fond, moi, ils m'ont créé un courriel pour l'agence. Fait que, tu sais, mettons, j'ai accès à la boîte courriel, mais je vois pas leur réponse. Là. Okay, je vois mais juste. Tu vois ce qui rentre. Ouais, c'est ça. Okay. Fait que là, mettons, je vois ce qui rentre. Mais, tu sais, je regarde pas tant, là, pour vrai. Là, tu sais, je leur fais confiance, puis je sais qu'ils vont m'écrire. Mais pas une question de confiance, mais juste, c'est comme de s'exciter, de dire, OK, il y a tel client qui m'a approché, ou aïe, la collab de mes rêves, puis, tu sais, de voir ça. Avec eux, là, ça. Tu sais, exemple, je sais pas, ça serait quoi ta collab de rêve, là? Mettons, je te dis, là, lançons-le dans l'univers. Mais tu sais, mettons, j'aimerais ça faire... Mais tu sais, c'est genre vraiment big, mais tu sais, un voyage, ou mettons, genre juste une auto, genre... Qui prend pas de gaz, là, une auto, mettons, électrique, ça, moi, je capoterais vraiment. Ben tu sais, je veux dire, si tu le vois passer, puis finalement, ils disent qu'ils ont pas de budget, bon, ça serait quand même surprenant, mais tu sais, mettons... Ouais. Ben, tu sais, tu dis à ton agence, là, eux autres, même s'ils n'ont pas de budget, c'est go, ouais, là, tu sais. Oui, mais c'est ça. Mais ça arrive, là, des fois, je vois des affaires rentrer, je suis comme, hey, ça m'intéresse vraiment, puis tu sais, ils mettent l'énergie. Mais, tu sais, c'est ça. Là, en ce moment, c'est vraiment de la nouveauté pour moi. Moi, j'étais même habituée de gérer mes courriels, faire les échanges. Fait que, tu sais, peut-être pour ça aussi que je t'ai dit, on dirait que j'ai comme pas de demande en ce moment, mais dans le fond, peut-être que j'en ai plein qui rentrent, puis que je vois pas ça aller non plus. Je sais qu'il y a des clients aussi qui approchent mon agence, puis qu'eux, ils disent. Mégane avec ça, là, genre c'est sûr, des trucs de même. Fait qu'ils échangent avec leur courriel à eux, puis il y a des affaires qui se passent. Tu sais, j'en ai des contrats qui vont venir, mais tu sais, sinon, on dirait que tout ce que je reçois, ça va être, mettons, en DM, puis c'est juste des gratuités, puis ça commence à me frustrer. Là, ça, je prends toi comme... qui les gères ou t'es réfères quand même? Non, c'est moi qui les gère. Okay. Tu sais, les gratuités, je peux les gérer moi-même. Mais mettons, c'est ça. C'est que là, je suis comme, ben, tu sais, souvent, je relaye à mon agence. Ça, c'est la beauté d'avoir une agence. Je suis comme. Ouais. Tu sais, envoyer un courriel là pour toutes les demandes, des trucs comme ça, tu sais, tout ça, mais... Puis eux, est-ce qu'ils font du démarchage, mettons, pour toi? Mettons, tu dis, garde, moi, justement, une collab de rêve, ça serait telle affaire, ben, un véhicule électrique ou un voyage. Ben, tu sais, ils peuvent envoyer ton kit média à, mettons, Air Canada, Air Transat, Sunwing. Ouais, on n'en a pas parlé encore, mais je pense que oui, ils le font. Mais tu sais, ça, comme je t'ai dit, là, en ce moment, c'est vraiment de la découverte. Là, on commence ensemble. Mais j'aime vraiment l'expérience jusqu'à maintenant, mais tu sais, ça m'enlève un immense poids, là, tu sais, pour vrai. C'est là, avant que je rentre dans l'agence, je regardais ça. Là, mettons, moi, je suis vraiment productive le matin. Là. Je m'installais à l'ordi vers 9h, là, puis à midi, je répondais. J'échangeais encore avec des courriels. Genre, j'étais comme, c'est ça long, des pas fois. De bon sens. Ah, des fois, comme... mon chum m'appelle, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je réponds des courriels, mais quand je suis partie à matin, tu faisais ça, mais tu niaises plus. Exact. Ben non, je te niaise pas. Puis souvent, tu réponds un courriel, tu réponds un autre, mais là, l'autre a répondu. Ouais, là, mais c'est ça. Fait que c'est des échanges sans arrêt. Là, proche, là, tu t'en vas faire un petit modif de quelque chose. Là, tu reviens... Ouais, c'est quand ça. Même... il y a beaucoup de travail derrière qu'on voit pas. Puis, tu sais, depuis... Je sais pas toi si t'as vu, là, depuis le bug Instagram, là, quand même, l'algorithme, ça a quand même, je trouve, touché là, les stats. Puis, tu sais, moi, je dors bien le soir. J'avais quand même pas pensé au bug, mais c'est vrai, moi, là, ces temps-ci, je me disais que ça n'a pas de bon sens. Là, je suis comme... Ben, quand ça a été buggé une journée, là, après ça, là, moi, je l'ai vu, là, l'enfer. Ah, mais c'est vrai, tu me fais penser que... Ben, je l'ai réalisé récemment parce que, justement, il y a quelqu'un qui en a parlé en story, puis j'étais comme, ah, j'avais même pas réalisé, mais c'est vrai. C'est ça. Tu sais, je dors super bien le soir quand même, mais tu sais, je me dis, OK, tu sais, pour les agences, pour les gens qui nous demandent nos statistiques, ça reste quand même important. Oui, ça tu sais, des fois, j'ai l'impression que les gens, tu sais, ils n'aiment pas tant ça, tout ce qui est pub, mais en même temps, c'est ce qui nous permet de continuer à faire du contenu le fun. Oui, mais je trouve que c'est ça. On pourrait en parler, puis en reparler, puis en reparler de tout ça, mais tu sais, comme je me dis, je vois pas la différence entre ça puis lire un magazine. Tu sais, c'est la même affaire, c'est de la publicité. Puis tu sais, je comprends pas la frustration des gens encore par rapport à ça. Puis comme, mais tu sais, l'envie, ça, je la comprends peut-être. Il y en a qui se disent, mon Dieu, tu sais, tu reçois des produits et tout ça. Ça fait son sens. Mais tu sais, en même temps, je me dis, tu sais, dans le fond, nous autres, c'est ça, là, c'est qu'on a été payés par l'entreprise parce qu'ils savent qu'on a un pouvoir communicateur. Tu sais, on est bon pour s'exprimer puis qu'on, tu sais, parler du produit, mais.
Puis tu sais, on a accepté parce qu'on voyait un fit, parce qu'on aimait le produit, parce que... on était intéressés, tu sais. Ouais, ça, c'est une autre affaire, tu sais, qu'il faut... C'est ça, ça dépend de chacun, mais tu sais, non, c'est sûr que... Mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein? Ouais. C'est parce que ça dépend toujours de qu'est-ce que tu dégages aussi, tu sais, je veux dire, moi, je me dis, OK, tu reçois des affaires, mais crime, tu l'apprécies full, puis t'en parles, puis tu fais tes recherches, ben pourquoi je serais jalouse de toi, tu sais? Ben, tu sais, c'est facile pour moi de dire ça, là. Ouais. Parce que, tu sais, je suis un peu là-dedans. Mais, tu sais, en tout cas, ça dépend aussi, je pense, comment c'est véhiculé, là. Oui, c'est ça. Peut-être que c'est ça aussi. Mais, tu sais, même, moi, le... Tu sais, Souris Mini qui nous envoie tout le temps des enfants pour Laurier, c'est ma boutique préférée au monde pour les enfants. Puis je me dis, mon Dieu, tu sais, la chance que j'ai, tu sais, de recevoir ça, là, je veux dire, c'est inexplicable, tu sais, c'est... Mais, tu sais, quand tu le présentes, puis quand t'en parles dans tes stories, t'as toujours l'air comme pleine de gratitude. Fait que, tu sais, ça, je trouve que ça fait comme toute la différence. Oui. T'sais, tandis que t'sais, ben, t'sais, si la personne qui te suit le sent moins, peut-être que c'est là que l'envie embarque puis que t'sais, tu te dis, mais mon Dieu, elle est bien gratte. T'sais, moi, j'ai toutes pas les moyens de me payer ça. OK, jusque-là, bon, ben, t'sais, mais crime, de sentir de la gratitude, de la reconnaissance, puis de savoir que crime, ben, c'est un privilège. C'est sûr que tu le gagnes parce que c'est un échange, là. Oui, oui, c'est ça, exact. Mais reste que, tu sais, je trouve que ça paraît, là, que tu es reconnaissante de ça. Fait que, tu sais, ça fait toute la différence. Écoute, on pourrait en parler longtemps de ça, là, tu sais, avec chaque créatrice de contenu que je reçois, on dirait que ça vient, là, ces discussions-là, parce que, tu sais, on baigne là-dedans, puis en ce moment, c'est comme... Mais c'est ça, cette semaine, ça me trottait beaucoup dans la tête, puis on s'en parle aussi en tant que créatrice, puis c'est le fun de pouvoir échanger là-dessus, parce qu'on est à peu près les seuls qui comprennent cette réalité-là, là, dans le sens qu'on le fait les deux. Ben non, c'est ça. Mais là, tu fais ça à temps plein, toi, ou...? Ben, je fais ça à temps plein avec la photo. OK, ouais. Puis sinon, on a une boutique en ligne, mais je pousse vraiment la photo. Je voulais en parler de ça, Caroline. Ben, pour vrai, là, c'est une autre affaire que je commence puis que je finis pas. Ben, pas que je finis pas, mais comme j'aime vraiment ça, mais comme ça équivaut pas à comment je me sens quand je fais de la photo, à toute cette liberté-là de... comme je te dis, c'est mon je te dis que mon chum est un peu nomade puis que lui partirait 6 mois à gauche, 6 mois à droite, mais tu sais, je l'ai un peu en moi, ça, puis tu sais, j'ai besoin de faire quelque chose qui peut se faire n'importe où puis n'importe quand. Puis moi, j'adore ça, me promener avec ma caméra puis juste comme trouver quelque chose de beau puis m'arrêter puis juste prendre le temps, tu sais. Puis tu sais, on disait, c'est un peu notre génération, c'est un peu en nous, là, de profiter de l'instant présent et tout. Fait que autant les médias sociaux nous mettent une pression, là, de voir le futur, puis d'être vraiment... Là, tu fais quoi, là? T'es rendu où? C'est quoi ta prochaine étape? Autant, il y a un côté aussi quand même, tu sais, comme zen de notre génération qui nous garde aussi à juste profiter de l'instant. Puis je trouve que la photo, ben tu sais, c'est un côté comme vraiment créatif, mais comme beaucoup laissé aller. Puis j'apprends un peu, tu sais, comme je te disais, je suis un peu autodidacte là-dedans. Là. Ouais. Mais je veux vraiment pousser ça. Plus que c'est quoi t'aimerais faire plus, mettons, des photos de famille, des photos de... Tu sais, y a-t-il quelque chose que t'aimerais faire plus, des portraits? Ben, à date, des... ce que j'ai expérimenté, là, puis que... Ben, j'aime vraiment pas mal toutes, là. Mm-hmm. Mais, tu sais, les photos de bébés, là, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Je trouve des bébés puis des animaux, c'est toujours parfait. C'est toujours... Puis, tu sais, on s'entend, un bébé, tu dis pas « assis-toi là, puis bouge pas », là. Ah, c'est comme beaucoup des photos sur le vif, puis je trouve ça vraiment le fun. Ouais, tandis vrai. Que nous, les adultes, mm-hmm. c'est le fun, j'ai du plaisir, moi, à prendre des photos, mais on pense trop. Puis on est beaucoup... tu sais, des fois, j'aimerais ça me voir dans les yeux que quelqu'un d'autre me voit. Tu sais, je suis probablement plus dure avec moi, puis je pense que tout le monde est un peu comme ça. Ouais. Fait que c'est ce que je remarque dans des séances avec des gens, tu sais, des adultes, là. J'adore ça, là. J'ai vraiment du plaisir, puis tu sais, moi, je suis un peu fofolle dans la vie. Fait que tu sais, je mets quand même, je pense, les gens à l'aise rapidement. Ce qui, ça fait des super belles photos. Mais moi, ce que j'aime capturer, c'est beaucoup des moments, plus que tellement... on s'assoit puis on bouge pas, tu sais. Ouais, puis justement, tu sais, quand on s'assoit puis on bouge pas, on pense, bon, c'est quoi mon meilleur angle, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Exact. Puis moi, j'aime ça tirer comme le meilleur des gens, tu sais. Mais, fait que c'est pour ça, j'aime la naïveté des enfants. J'aime, tu sais, puis j'aimerais ça pousser
sais, aussi beaucoup les photos de voyage, de paysage. Puis j'étais en train de m'équiper parce que, tu sais, ben, tu sais ce que c'est, hein, les équipements de podcast. Ben, c'est un peu ça aussi quand tu t'équipes. Ben, en fait, tu es équipé aussi, là, t'as une super bonne caméra. Ça, mais... Ben, quand même, là, tu sais. Puis c'est dispendieux. Fait que, tu sais, tu y vas graduellement. C'est puis, tu sais, t'augmentes la qualité. Oh! Ça fait 25 minutes. Oui, 25 minutes. Continuer. Oui. Fait que, non, c'est ça. Fait que tu veux augmenter la qualité puis upgrader un peu tout le temps. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est un beau monde. C'est excitant. On dirait que, je sais pas, c'est la première fois que je me... Tu sais, quand le rêve de toute personne, là, c'est de se lever le matin puis d'avoir comme un horaire de journée que ça te tente de faire. Ouais. Là, ben, tu sais, avec la création de contenu, la photo, ben, c'est beau ça, hein, moi aussi. J'y pensais justement dernièrement, je me disais, crème, je me lève le matin puis je suis tellement contente. J'ai hâte de prendre mon café puis m'installer à l'ordi puis faire mes petites affaires. C'est le fun, là. Puis j'aime vraiment, là, tu sais, puis moi, c'est un peu comme toi, là, en ce moment, je suis beaucoup plus sur mon X que je l'ai jamais été, là, tu sais, dans le sens où... Moi, notre âge, là, on est notre propre patron en ce moment. Ouais. On peut gérer nos horaires à notre façon. Puis, c'est ça, je veux dire, c'est extraordinaire, là, cette chance-là qu'on a. Fait que, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui... Mais tu sais, ça, tu vois, puis là, je veux pas repartir, faut vraiment que je me limite, là, parce que, hein, on va déborder. Ça pourrait durer longtemps. Mais de gérer mon horaire, j'ai encore de la difficulté, parce qu'on dirait que je m'autorise pas nécessairement à me dire, hey, si je fais une demi-heure de relaxation ou d'écouter une petite émission, un petit Victoria Charlton soft, puis après ça, je travaille juste une autre petite demi-heure plus tard, ou bien je gère mon horaire. J'ai encore de la misère, moi, à pas me sentir mal. Ah, moi, je suis pas capable. À vous, on dirait, ouais. Moi, faut vraiment que je me sente que j'ai été productive là, pour la fin de la journée. Là. De 9 à 4, là, je travaille. OK, c'est ça. Mettons, mon podcast, c'est plaisant, mais ça fait partie d'une sphère de mon travail. Ouais. Mais moi, non, je ne suis pas capable de mettre une émission. Là. Moi, c'est la même affaire. Je me sentirais trop. Ah, de me dire, mon fils est à garderie en ce moment. Ton genre, chum surtout. Travaille à un job qui est comme steady. Ouais. Pourtant, à la fin de la journée, il faut que tu rentres tous tes contrats. Ouais, tout c'est ça, exact. Tu pourrais, là. Mais ça, j'ai de la difficulté. Ouais, ça me prend une structure. Ouais. Fait que voilà, je voulais pas trop déborder. Mais parce non, que je c'est pense parfait. Que, mon Dieu, on est à veille de... Ouais, ça aurait pu durer 3 heures. Écoute, je crois qu'on... je reviendrai. Ben oui, un deuxième épisode. Prendre des photos, ça va me faire plaisir. Mais si arrête. T'as besoin. Ouais, écoute, j'aimerais ben, ça, ça serait fun. Peut-être que t'aimes pas ce que je fais, là, mais... Hey, écoute. Mais non, tes photos sont magnifiques. Tellement un beau compte Instagram, là, allez la suivre. Mais non, pour vrai, ça me ferait plaisir. Tu me diras. Puis en plus, comme je te disais, ma tante est ici. Écoute, on va s'organiser ça. Hey, merci tellement. Ben merci à toi de l'invitation. Ouais, on dirait que ça a popé dans mes DM. Puis j'étais comme, ah, mais pourquoi qu'elle me choisit? Tu sais, j'étais arrête. Comme bien touchée. Arrête, moi, c'est ça. Tu étais bien sur ma liste, ma checklist. Ça, ça me fait bien plaisir de t'avoir rencontré. Mais moi aussi. C'est toujours le fun de sortir d'Instagram, tu sais. Vraiment, pour vrai. Là, puis c'est vraiment la beauté du podcast là, en ce moment de rencontrer juste du monde quasiment qui sont comme dans le même milieu que moi. Ouais. Je trouve ça tellement le fun là, de rencontrer des gens qui s'apparentent un peu. Ouais. Puis on se comprend. Puis en même temps, ça nous permet aussi de le montrer ou bien aux gens qui se posent des questions. Des fois, OK, ça marche de même. OK, je pensais exact. Pas. Ouais, je pense pas qu'on a fait des grandes révélations, mais tu sais, quand même. Oui, vraiment. Fait que là, les gens peuvent te suivre sur Instagram. Sur Instagram, oui. Puis t'as-tu d'autres places que t'aimerais qu'on te suive? Hey, écoute, non, je pense que c'est très... pas mal, ça. Parfait. Ben ton lien va être dans ma barre de description. Hey, je suis plate, hein? Mais non, mais c'est parfait. Mais non, il faut que je me fasse un compte Instagram pour la photo. Mais bon, c'est vrai, bonne idée. Mais pour l'instant, 4 mots, parfait. Aussi simple que ça. Bon, fait que merci encore pour ta magnifique présence sur le podcast. Puis merci aux gens à la maison d'avoir écouté l'épisode. Alors, sur ce, on se dit à bientôt dans un prochain podcast. Bye tout le monde! Bye!